C'est trop jaune. Ce bleu n'est pas terrible non plus. Aucun de mes vêtements ne va. Pourquoi tout est si moche? Je ne me souviens pas d'avoir acheté ça. Est-ce que j'ai encore fait des achats en ligne dans mon sommeil? Non, c'est mon col roulé de quand j'étais petite. On a passé de si bons moments ensemble. Comme quand mes poupées ont eu leur nouvelle voiture. C'était génial. Et ne me fais pas penser à tous nos goûters. J'ai même appris à lire dans ce truc. On ne parle pas la bouche pleine. Comment je pourrais oublier ce pull? Mais il est un peu démodé. Tu crois que je pourrais le moderniser? Tu as un vieux pull qui a besoin d'être rafraîchi? Découpe-le. Tu vois ces pièces supplémentaires? Couler ensemble comme ça. Fais-le des deux côtés. Et c'est déjà fini. Et voilà le travail. Waouh! Ce haut est vraiment adorable. Pour certaines filles, tout est une question d'accessoires. Qu'est-ce qu'une tenue sans un peu d'éclat? Hé, les filles! Où sont tes bijoux? Tu es allergique ou quoi? Eh bien, c'est un peu gênant. Je n'ai pas d'accessoires sympas. Pas besoin d'être détective pour s'en rendre compte. Mais nous pouvons peut-être t'aider. Tu nous remercieras plus tard. Des élastiques pour les cheveux? Mes cheveux sont déjà attachés. C'est pour ton t-shirt en douille. Oh, je comprends maintenant. Tu veux améliorer ton look? Soulève ton t-shirt. Et attache-le comme ça. Une fois qu'il est attaché des deux côtés, tire vers le bas. Et passe-le en dessous. Mignon, hein? C'est magnifique! On n'a jamais porté ça avant. Regarde qui lance la tendance maintenant. Selfie! Je dois prendre des photos de cette transformation. Cheese! Moi! Maintenant, ils n'ont plus qu'à liker. Rien de tel qu'une soirée avec mes Cheetos et mes vidéos. Qu'est-ce que je n'ai pas encore regardé? Kevin? Qu'est-ce qu'il veut? J'ai complètement oublié notre rendez-vous pour dîner! Je dois me préparer. Qu'est-ce que je vais mettre? Et ma jupe en jean, sauf la mise! Ce truc est super sympa. Mais pour le haut, ce n'est pas terrible. Je savais que j'aurais dû faire la lessive. Qu'est-ce que c'est? Il y a une énorme tache dessus! Je devrais peut-être appeler et annuler. À moins que j'y aille avec ça. Qu'est-ce qui prend autant de temps à Lily? Salut, Kevin. C'est une tenue intéressante. Le jour de la lessive, tu sais comment c'est. On commande? Non, je ne peux pas porter ça. Oh. Attends, j'ai une idée. Tu vois ce truc? Retourne-le. Retrousse-le. Et passe la tête à travers. Fais comme si tu le mettais normalement. Tire dessus autant que possible. Rabat ce qui dépasse. Et rabaisse un peu le tout. Bonjour, beauté. Ce haut a l'air tout neuf. Je file à mon rendez-vous. Salut, Kevin. Salut. Waouh, tu es incroyable. C'est nouveau? En quelque sorte. C'est une vieillerie que j'aime bien. Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos. Ah, encore un jour d'école. Au moins, j'ai mon cellulaire pour me tenir compagnie. Oh non, mon top!
Je ne peux pas porter ça. Attendez, je pense que je peux faire quelque chose. Je vais utiliser ces crayons. Ouais, ça pourrait fonctionner. Je vais coller un crayon sur mon top. Puis j'en ajouterai d'autres. Je ferai de même tout le long de mon top en veillant à couvrir la tache. Ça a l'air bien. C'est très coloré. Ne le dites à personne, d'accord? Chut! Oh, merci, merci. Je sais, j'ai vraiment l'air superbe. Je serai comme la reine du bal de fin d'année. Mais je dois d'abord trouver une robe. Non, je passe. Non, je n'aime pas ça. Aucune d'entre elles ne fera l'affaire. Attendez, ça y est, c'est la bonne robe. Les détails, la créativité, les joyaux. Elle est magnifique. C'est la robe de mes rêves. Elle m'irait à ravir. Attendez, elle coûte combien? Pour une robe? Waouh, c'est fou. J'espère pouvoir me la permettre. Voyons voir. En fait, je ne pense pas que ça va suffire. En fin de compte, elle ne m'est peut-être pas destinée. Mais une fille a au moins le droit de rêver. Attendez un peu, j'ai une idée. J'aurai besoin de ça. Je suis sur le point d'en faire quelque chose de spécial. Je vais le mettre sur la table. Ensuite, j'aurai besoin d'un stylo marqueur noir. Je trace une ligne en travers de la poitrine. Puis je trace une ligne sur l'épaule. Il ne faut pas oublier l'autre côté. Ensuite, je trace une ligne en travers du cou. Une fois que c'est fait, je prends des ciseaux. Je découpe en sections. J'ai découpé du tissu réfléchissant en bandes. J'attache des lanières à l'encolure et à la taille. Et c'est prêt à être porté. Waouh, ça a l'air génial. Je l'ai assorti à un pantalon scintillant. C'est chic et élégant. Faisons la fête. Oh ouais. Jasmine est notre nouvelle reine du bal. Oh mon Dieu. C'est tellement relaxant. Je n'ai jamais de temps pour moi. C'est tellement agréable pour une fois. Je vais en profiter au maximum. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est de Justine. Attendez, 15 minutes? Je dois me préparer. J'ai complètement oublié que nous devions nous rencontrer. J'ai intérêt à faire vite. Je n'ai pas le temps de me coiffer. Un peu de poudre, ça va suffire. Cette chemise est mignonne. Presque prête. Ces jeans me vont toujours à ravir. Ils sont beaucoup plus serrés que dans mon souvenir. Allez, ils doivent me rentrer. Je n'ai pas de temps à perdre. Pourquoi c'est si difficile? Ah! C'est tellement ennuyeux. Essayons encore une fois. Attendez, je l'ai fait. Ouf, quel soulagement. Je retire tout ce que j'ai dit. Il est temps de partir. Attendez un peu, vous vous moquez de moi? Je me demandais ce qui avait changé. Ah! C'est un désastre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, il faut que je me change, et vite! À moins que... Je sais quoi faire. J'aurai besoin de ce tissu en dentelle et d'une paire de ciseaux. Je couperai la dentelle en deux et je ferai une coupe le long de la couture de mon jean. J'irai jusqu'au bout de la jambe. Maintenant, je vais appliquer de la colle sur la couture. Ensuite, je colle la dentelle dessus. Je veux que ce soit agréable et sûr. Ça devrait suffire. C'est exactement ce que j'imaginais. J'ai hâte de le montrer. C'était beaucoup plus facile que je le pensais. Ce jean fait une excellente jupe longue. Et je suis en route! Oh, c'est un bon étirement. Il faut ressentir la tension. Ces muscles ne travaillent pas tout seuls. Il faut souffrir pour être beau. Oh mon Dieu, Justin me regarde. Je suis nulle quand il s'agit de flirter. Pff, je me regarde dans le miroir. Quoi? T'es sérieux? Là, je vais attirer son attention. Je suis une machine à exercice, petite mais efficace. Non, toujours rien. Essayons une autre approche. Je vais faire quelques tours de cou et ajouter des mouvements de cheveux décontractés. Ça fonctionne dans les publicités de shampoing. Wow, j'ai le vertige. J'ai besoin d'une pause. Et il ne se retourne toujours pas. Tu gâches l'ambiance. C'est juste moi et mes biceps. Waouh. C'est un peu bizarre. Je ne comprends pas. Oh là, je comprends. Mes cheveux sont en pagaille. Je dois arranger ça. Et je sais exactement ce qu'il faut faire. Ce sera formidable. Je vais épater Justin. J'ai besoin de cette nouille de piscine. Je vais en couper une partie. Celle-là devrait suffire. Ensuite, j'enroule mes cheveux autour. Je les garde bien serrés. Je dois les maintenir en place. Ce filet fera l'affaire. C'est parfait. Je fais de même de l'autre côté. Cela me donnera des boucles instantanées. Je dois juste attendre. Je vais lui en mettre plein la vue. Oh, Justin! Qu'est-ce qui se passe encore maintenant? Quoi? Qu'est-ce que tu portes? Regarde ça. Donne-moi une seconde. C'est comme si je sortais d'un salon de coiffure. Je n'ai jamais vu ça dans un gymnase. C'est la dernière mèche. Puis un petit mouvement de cheveux. Qu'est-ce que t'en penses? Tu aimes ce que tu vois? Waouh, t'es magnifique! C'est exactement la réaction que j'attendais. Je savais que ça fonctionnerait. Hey Jasmine, on se voit plus tard. Tu peux me regarder soulever des poids. Allons plutôt dîner. Oh, j'aime bien cette idée. Waouh, regardez cette pose. Il est si sensible. Et rêveur. Ok, c'est ma préférée. C'est comme s'il me regardait droit dans les yeux. Nous ferions un beau couple. J'aime vraiment celle-ci. Attendez, il a un tatouage. Il faut que je regarde plus près.
C'est trop cool! Et ce cœur d'amour, il est vraiment adorable! Je devrais peut-être me mettre un peu d'encre. Je veux dire que mes bras sont plutôt ennuyeux, mais j'ai peur des aiguilles. Attendez, j'avais oublié que j'avais ces autocollants. Peut-être que je n'ai pas besoin de tatouage. Je peux utiliser ceux-là à la place. Ça vaut la peine d'essayer. Je vais décoller la protection et placer la feuille sur mon bras. Je vais l'aplatir. Maintenant, j'ai besoin de mon maquillage. Prenons la couleur orange. Je vais couvrir les cœurs. Ensuite, j'essaie le fard à paupières bleues. Ça va être formidable. J'aurais dû y penser plus tôt. Ce sera comme un vrai tatouage. Il n'y a pas une aiguille en vue. Waouh, c'est mieux que je ne le pensais. C'est l'heure du selfie. Et maintenant, je vais le poster. J'espère que Justin le verra. Waouh, il y a déjà des likes. Oh, un message. Est-ce que c'est vraiment en train de se produire? Bien sûr que je le veux. J'ai un rendez-vous avec Justin. Wouhou, je ferai mieux de me préparer. Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos. Je porte parfaitement cette tenue. Je devrais être sur le podium. J'ai besoin de me pavaner. Hein? Wow, c'est Annie! Il est temps que je me fasse remarquer. C'est magnifique! Je ferais mieux de me préparer pour le cours. Je ne veux pas être en retard. Attendez, Jake, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'on pourrait sortir plus tard. Tout le monde peut être élégant dans une robe. Combien? Sérieusement? Il semble que j'ai besoin d'une approche différente. Hé, je peux utiliser ce sac? Oui, il fera l'affaire. Mettons-nous au travail. C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Je me sens tellement glamour. Mais il reste encore une chose à faire. Oh, salut, Jake. Oh, je dois y aller, Annie. Luna, je suis ravie de te voir. J'adore ce nouveau look. Hein? Qu'est-ce qu'elle porte? On dirait un sac poubelle. Tricoté est si relaxant. Maman, regarde ça. Il y a une fête à l'école. Laisse-moi voir ça. Je suppose que tu peux y aller. Je vais avoir besoin d'une nouvelle tenue. Je peux pas porter ça. Laisse-moi réfléchir. Je reviens tout de suite. Je t'attends. Cette fête sera très amusante. Maman, qu'est-ce que tu en penses? Tu seras très mignonne. Essaye ça. C'est une blague? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a des trous dedans. T'es pas sérieuse? Il n'y a pas moyen que je porte ça. Tu peux pas m'obliger. Je savais que tu dirais ça. Tu ne comprends pas la mode. Mais je vais jeter un autre coup d'œil. Il doit bien y avoir quelque chose que tu puisses porter. Peut-être pas. Attends, qu'est-ce que c'est? C'est un morceau de carton. Il est un peu poussiéreux, mais il est encore bon. Nous pouvons en faire quelque chose de spécial. Oh, Annie, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ce carton résoudra tous nos problèmes. T'es sûre de ça? Il a besoin d'être travaillé, mais je sais comment faire. Ne bouge pas. Maman, attends, arrête! C'est vraiment bizarre. Je suis un génie. Tu es magnifique. Waouh, comment t'as fait? Elle est superbe. Permets-moi de faire encore une chose. On va se débarrasser de ces lunettes. Waouh, tout est si flou. Mais je me sens fabuleuse. Je suis comme un mannequin. Oh, je crois que j'ai mangé des cheveux. Merci, maman. C'est la meilleure. Je pense que je le suis. Je dois immortaliser ce moment. Prends une pause. Je ferai mieux d'y aller. Au revoir, maman. Elle grandit si vite. Woup woup! J'adore cette chanson! Je peux pas m'arrêter de danser! Hé, Brian, je peux t'offrir un verre? Oh ouais! C'est une grande fête! Je suis si heureuse que Brian soit là! Je veux dire, regardez-le! Il est parfait! Je pourrais le regarder bouger toute la journée! Qui aurait cru qu'il avait du rythme? Il est si mignon! Oh non, ma jupe! Oh, elle est fichue! C'est un désastre! Qu'est-ce que je vais faire? Attendez, j'ai une idée. Je peux utiliser ma chemise. Oui, ça fera l'affaire. En y réfléchissant bien. Oh, je pensais que ça fonctionnerait. Je suis vraiment en train de transpirer. Oh, il commence à faire chaud ici. Attendez, c'est ça. Je vais devoir faire vite. Allez, où est-ce qu'elle est? Je l'ai. C'est ce que nous allons voir. Je vais fermer le bouton du haut. Ensuite, je les enroule autour de ma taille. Ce sera la taille parfaite. Maintenant, je vais les boutonner ensemble. Je dois cacher ma jupe. J'ai tout boutonné. Maintenant, je remonte les cols. Et je mets une ceinture. Ça les maintiendra en place. J'utilise les cols pour dissimuler la ceinture. Mais qu'est-ce que je vais faire des manches? Ah, je sais! Je vais les attacher à l'arrière. Waouh, ça a l'air tellement bien! Oh, Brian! J'ai ton soda. Juste ce qu'il me faut. Wow, j'aime bien ta tenue. C'est vrai? Waouh! Je l'ai conçu moi-même. Ouais, t'as l'air fraîche.
Attends un peu, ça me dit quelque chose. Où est passée ma chemise? Qu'est-ce qui se passe? Dansons? Bonne idée! Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos! Cette coiffure simple est celle d'un loser. Les tatouages de papillons viennent à la rescousse. Saviez-vous que vous pouviez les mettre dans vos cheveux? Combien puis-je en mettre ici? Comme cette fée, tout le monde à l'école va être jaloux. Exactement ce que je voulais. Faisons un tour pour tâter le terrain. DJ, monte le son! Waouh! Oh, bonjour à tous! Tu veux danser avec nous? Bien sûr! Vous aimez mes nouveaux tatouages? Oh! Ils sont si beaux! Gina est belle! Maintenant, faisons la fête! Génial! C'est une façon de rehausser mon style. Qui aurait cru que quelque chose d'aussi simple ferait tourner autant de têtes? Oh! Monte le son! Oh mon Dieu! Jared t'aime bien! Mais non! Au fait, il me faisait des clins d'œil tout à l'heure. Après la gym, allons lui parler. Tu penses que je peux porter ça plus tard? Oui, tout à fait! La couleur orange te va bien. Gina, attends! C'est quand la dernière fois que tu t'es rasée? Ces choses ont vraiment besoin d'être rasées. Oui, tu as raison. Ai-je le temps de le faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Oh, regarde mon rasoir. Je ne peux plus l'utiliser. Oh, c'est dommage. Nous pourrions essayer d'utiliser cela. Des ciseaux? Pas question. C'est juste une idée. C'est terrible. Attends, nos loufas. Hein? Je ne comprends pas. Oui, c'est ça, je sais. Tout d'abord, il faut l'ouvrir. Puis la saupoudrer de paillettes. Superbe, n'est-ce pas? Et c'est tout ce dont tu as besoin. Prête? Je suis un peu perdue. Peux-tu m'expliquer? J'attendais que tu me le demandes. Dis bonjour à ton nouveau pantalon scintillant. Tu l'aimes? Je me sens comme une déesse scintillante. On ne voit même pas les poils. Ils sont super mignons. On ne va pas être en retard? Oui, tout à fait. Gina, regarde! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, hé! J'ai failli ne pas te voir, Alex. Jolies lunettes. Oh, regarde ces magnifiques cheveux. À plus tard. Youhou, dis quelque chose. D'accord. Salut. Gina, qu'est-ce que tu as sur le poignet? Regarde. Oh, oups. Essaye de l'essuyer. Cela a-t-il fonctionné? À peine. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est une question difficile. Attends une minute. Hé, donne-moi ça. Mon eau? D'accord. J'ai juste besoin de ça. Prends un paquet de paille et coupe-en les extrémités. C'est bien. Maintenant, continue jusqu'à ce que tu aies un certain nombre de pièces. J'ai juste besoin d'un peu d'espace ici. Tu vois cette corde? Fixe-la à la table à l'aide d'un ruban adhésif. De toute façon, elle restera en place pendant que tu enfiles les pièces. Enfonce ensuite l'autre extrémité comme suit. Étire! Cela produit un motif super cool! Et c'est tout! Un bracelet fait à la main! Et c'est mon préféré aux couleurs de l'arc-en-ciel! Hé! Hein? Waouh! Veux-tu l'attacher pour moi? Avec plaisir! Je vais faire un double nœud et on ne verra plus la tâche. Va parler à Alex! Hé! Hein? Oh, hé! Assieds-toi à côté de moi! Ravie de te voir, Gina! Oh, ils sont mignons! Joli bracelet! J'adore ton style! Merci! J'adore trop ça. Si seulement je ne pouvais me nourrir que de chocolat. Oh, et de glace, bien sûr. Waouh, ça fait beaucoup de cochonneries pour une seule personne. Qu'est-ce que tu fais? C'est comme si tu mangeais directement du sucre.
Si tu continues de manger comme ça, tu ne vas plus ressembler à ça pour encore très longtemps. Tu dois avoir raison, mais est-ce que ce serait si grave? Oui, j'ai enfin obtenu tout le chocolat dont je rêvais. Ouh, je n'ai pas envie de ça pour moi. Et je dois me mettre au sport. J'arrête de traîner en pyjama. Il y a forcément des vêtements de sport quelque part là-dedans. Mince, c'est le seul legging que je trouve. Et alors, qu'est-ce qui ne va pas? Mais regarde, il ne me va pas. Écoute, je suis sûre qu'on peut bricoler quelque chose pour qu'il ressemble au mien. C'est une super bonne idée! Je vais le mettre bien à plat. Et ensuite, j'aurai besoin de ciseaux. Je vais le couper pour le raccourcir. Je vais y aller tout doucement pour m'assurer que je coupe bien droit. Comme ça, tout simplement. La même chose pour les deux jambes. Parfait! Il est prêt! Je peux l'enfiler. Waouh! Il me va super bien! Et il est joli! Bien joué! Il est génial! Merci! Allez, on va courir! Je dois juste finir de faire mes lacets. Je devrais sans doute jeter ce chewing-gum. Je vais le mettre juste là. Oh, quelqu'un m'envoie un message. Oh là là! Cet entraînement était super dur! Stop! Non! Je t'ai dit d'arrêter! Pourquoi tu ne m'as pas écouté? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? C'est du chewing-gum? Je me suis assise sur un chewing-gum! Pourquoi est-ce que tu laisses toujours tes chewing-gums traîner partout? Qu'est-ce que je suis censée faire avec ce legging maintenant? Tu sais quoi? C'est à toi de l'enlever! D'accord, mais je ne sais pas vraiment comment faire. Ne te presse pas, surtout! Oh, c'est idiot! Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça! Il y a forcément quelque chose à faire! Attends une seconde! J'ai une paire de ciseaux! Jamais de la vie! Je ne veux pas d'un trou dans mon legging! Écoute, fais-moi confiance! Je sais que ça fait peur, mais ça va carrément marcher! Je te le promets! Je vais juste commencer par couper ton legging. Et voilà! Je vais juste enlever l'endroit avec le chewing-gum. Oui! Pile comme je l'imaginais! Regarde, tiens! Essaie-le! D'accord. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Calme-toi et tourne-toi, s'il te plaît! Tu vois? Maintenant, tu les coinces juste à l'intérieur. Ah, c'est plutôt mignon. Ah, mais je n'ai toujours pas de pantalon! Tiens, tu peux prendre mon short. T'es super mignonne! Phew, je suis trop soulagée que ça ait marché. Ah, ce café est exactement ce dont j'ai besoin. Ça a l'air bon. Waouh, regardez ça! Oh oh, je pense que je vais éternuer. Ah, tcham! Zut, mon café! Il a sali ma chemise! Oh, il manquait plus que ça! C'est une grosse tache! Attends une seconde, ça me donne une idée! Peut-être qu'il est temps d'avoir un nouveau style! Mais quelle couleur me conviendra? Je n'ai qu'une chose à faire! Me procurer un mannequin! Et j'en ai un juste ici! Je dois commencer à travailler! Une petite coupe par ici, et voilà! Essayons quelques t-shirts! D'accord, pas mal! Oh, c'est beau! C'est pas mal! Je suis pas sûre! C'est celui-là qu'il me faut! C'est génial! Ça me convient, hein? J'adore les couleurs! C'est parfait! Je vais quand même éviter le café! Ouf, quelle journée! Et je dois encore me préparer! Jasmine sera ici bientôt! Je me sens déjà mieux! Ensuite, j'aurai besoin de maquillage! Je vais commencer avec un peu de gloss! Il ne me déçoit jamais. Il a toujours l'air incroyable. Pourquoi est-ce que je porte ce pantalon? Je ne le veux plus. Je dois fouiller ma garde-robe. Ah, ça, ça pourrait convenir. De quoi j'ai l'air? C'est pas mal, je suppose. Salut, Mindy. Hé, qu'est-ce que tu penses de ma tenue? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne te plaît pas? Je pensais que c'était beau. Écoute-moi, c'est nul. Suis-moi. T'as besoin d'aide. Je suis contente d'être ici. Kevin, nous avons besoin d'intimité. Ne regarde pas. Qu'est-ce que nous avons ici? Il n'y a pas grand choix. Attends, ces cravates pourraient être utiles. Ouais, ça va être génial. Je vais commencer par couper la cravate en deux. C'est bon, je les améliore. C'est amusant.
D'accord, je vais mettre ça avec le reste. Maintenant, je vais placer les cravates les unes sur les autres. Ensuite, je vais les épingler ensemble. Je ne veux pas qu'elles se séparent. Ensuite, je vais les assembler. Heureusement que j'ai ma machine à coudre. Elle accélérera les choses. Je ferai les points de couture sur le dessous de la cravate. Pour que ce soit esthétiquement plaisant, je ferai attention. Je ne veux pas coudre mon doigt avec. Maintenant, je vais ajouter une fermeture éclair. Et une ceinture. Je pense que c'est prêt. Jetons un coup d'œil. Allez, Mindy, qu'est-ce qui prend si long? Oh, t'es là. J'ai vraiment un œil pour le design. Il reste juste une chose. D'accord, regarde-toi dans le miroir. Waouh, je suis impressionnée. C'est parfait. Cette veste en cuir complète l'ensemble. Oh, bonne idée. Je n'aurais jamais pensé à ça. Merci, Jasmine. Nous ne voulons pas être en retard. Attends, je dois arranger mes cheveux. Ils sont super. Allons-y. Quelle belle journée pour un pique-nique. Ça semble être un bon endroit. Préparons-nous. Waouh, cet endroit est assez spécial. Ouais, bon travail, Mère Nature. D'accord, mangeons. J'ai faim. Asseyons-nous sur ce tapis. J'ai hâte de commencer. On a tout le nécessaire. Ça a l'air délicieux. J'ai un grand appétit. Ah, c'est la vie. Ouh, ça a l'air bon. Est-ce que je peux avoir une chip? Je pense que j'ai trop mangé. Ça en valait vraiment la peine. Je suis crevée. J'ai besoin d'une sieste. Oh, garde cette idée en tête. Jouons à un jeu. Ça semble bien. Waouh, ces fleurs sont magnifiques. Et elles sentent incroyablement bon. Je vais en choisir une. D'accord, je suis prête. Je te lance la balle. Allez, à toi de lancer. Donne ce que t'as de mieux. C'est toi qui l'as voulu. Ce sera un coup rapide. Jasmine? Hé, est-ce que ça va? Je peux pas respirer. Non, je plaisante. Tu m'as vraiment eu. Qu'est-ce que t'as sur ton haut? Il y a des taches partout dessus. De quoi tu parles? Oh non, c'est nul. Attends, je pense que j'ai une idée. Je mets des fleurs dans mon cahier. Puis, je le ferme. Je presse dessus bien fort. Elles ont l'air belles et plates. Ensuite, j'aurai besoin de ruban adhésif. Je colle une fleur sur le ruban adhésif. Je la presse encore une fois. Puis, je la place sur le haut de Jasmine. Maintenant, je vais l'aplatir avec une cuillère. Je vais extraire les couleurs du pétale. Il y a encore des taches à couvrir. Mais c'est pas grave, j'ai plein de fleurs. C'est comme un colorant naturel. Est-ce qu'il y a quelque chose que Mère Nature ne peut pas faire? Il est temps d'enlever le ruban adhésif. Je vais l'enlever soigneusement. Waouh, regarde ça! Il a laissé une empreinte de la fleur. C'est mieux que ce que j'imaginais. Waouh, j'ai l'air super fraîche. C'est mieux que mon ancien t-shirt. Mindy, tu peux concevoir tous mes vêtements. Hé, tu dois voir ça! J'ai des chaussettes à fleurs. Elles sont uniques en leur genre. Qu'est-ce que t'en penses? Waouh, plutôt sympa. Top là! C'était un pique-nique réussi. Ne bouge pas, je dois capturer ton essence. Donc, c'est bon? C'est un chef-d'œuvre. Attends, peut-être pas. Tu peux bouger un peu? Comment? Attends, peut-être que comme ça c'est mieux? Non, pas vraiment. J'ai appris ce mouvement à l'école de mannequin. Assieds-toi. Ah, t'es chanceuse. Nous avons étudié comment s'asseoir pendant le deuxième semestre. C'était en fait ma spécialité. Je sais, j'ai ça dans le sang. Non, pas vraiment. Tu te moques de moi? J'ai travaillé sur cette pose. Continue de travailler dessus. C'est juste étrange. Ça doit être la bonne pose. Oh, arrête ça. J'appelle cette pose le Gollum. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va me donner des cauchemars. Ne fais plus jamais ça. Eh bien, j'ai plus de pose. J'abandonne. Je me demande. Hé, attrape ça. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Enroule ça autour de toi. Fais-moi confiance. C'est une blague? Attends une seconde. J'ai jamais vu ce tableau auparavant. Il m'inspire. Tu peux arrêter de bouger? Donne-moi un instant. Je vais essayer quelque chose. Je dois nouer les extrémités de l'écharpe ensemble. Voilà un côté de fait. Maintenant pour l'autre. Puis je l'étire. C'est là que la magie opère. On dirait une rose. C'est exactement ce que je prévoyais. Je vais l'attacher autour de mon cou. Ensuite, je vais agiter mes cheveux. À toi de jouer. Waouh, elle est douée. Faisons de l'art. Enfin, j'espérais que tu dirais ça. Waouh, l'école de mannequinat porte vraiment ses fruits. J'étais la meilleure de la classe. D'accord. Tu es prête?
Ce cœur signifie que nous serons amis pour toujours. Pour l'éternité. Oh, je t'adore, ma meilleure amie. Je ferais mieux de prendre note. Je ne suis pas sûre de cette fille. Pas du tout. Je vais m'occuper de ça. Bonjour, mesdemoiselles. Eva, il est temps de dormir. Qu'est-ce que vous faites? Très bien, en route. Ouf. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Eva? Qu'est-il arrivé à ma meilleure amie? Eva! Merci d'être venue, Megan. Qu'est-ce que tu en penses? Tada! Sympa, hein? C'est sympa. Ouais. Oh! Viens, on n'a qu'à aller à l'intérieur. Là-dedans? Je ne sais pas trop. Tu peux venir ici une seconde. Hein? Oh, c'est juste là. Ouais, c'est juste là-bas. Ah, c'est vraiment gênant. Oh, c'est ça, ces toilettes. Il faut vraiment que j'y aille. Je n'ai pas le choix. Oh là là, ce truc est un peu petit. J'ai fini. Je suppose que je n'ai plus qu'à m'en aller. Alors ça, c'est ma salle de danse. Waouh! Du jus d'ananas frais, mesdemoiselles. Elles sont plus ou moins propres. Je veux bien. Non, je vais aller me laver les mains. Je reviens tout de suite. Waouh! C'est ça, ces toilettes? Oh là là! C'est plus grand que ma tente. De l'or! Et qu'est-ce que ces boutons sont censés faire? Est-ce que je dois appuyer dessus? Pourquoi pas? Hein? Attendez! Non, stop! Ça suffit, s'il vous plaît! Ouf! Quoi? Oh non! Stop! Ah! S'il vous plaît, non! Éteins-toi, ces cheveux! Quoi? De l'argent? Je n'en crois pas mes yeux! Coucou, Eva! Eva! Regarde, je suis riche! Oh, Eva! Ah, qu'est-ce que je suis fatiguée! Hey, Megan! Garçon, s'il vous plaît! Mademoiselle, votre sac à dos. Je pense que vous aurez besoin de ça. Votre cahier en or. Et vos accessoires, bien sûr. Waouh, merci. Sympa, hein? Moi aussi, je suis équipée. Apporte-moi du matos, mane-toi! Il est en route. Hé! Laissez-moi tout vous installer. Je vous ai apporté tout le nécessaire. Du papier! Presque comme neuf. Et un crayon aussi. Il y a encore des chips là-dedans. C'est à vous. Voilà. Ça t'embouche un coin, hein? Vite, trouvez-moi d'autres choses. Tout de suite, votre ordinateur portable peut-être. Le dernier modèle, bien sûr. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ah, je peux en avoir un, moi aussi, s'il te plaît. Comment faire? J'ai peut-être quelque chose là-dedans. Oui, je le savais. Un clavier d'ordinateur. Pour vous, mademoiselle. Et un écran aussi. Waouh, je n'avais jamais eu d'ordinateur portable. Et un téléphone aussi. Je n'y crois pas. Pas mal du tout. Jalouse, moi je le serai à ta place. Au moins j'ai ça. Ce sont des billets de 100 $. Oui, tu les veux? Arrête ça tout de suite. Va chercher. Oh, je les ai. Je suis un homme riche. Riche. Rien d'intéressant par ici. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Enfin, je ferais mieux de me mettre au travail. J'ai besoin d'un peu d'aide. Voyons voir. Bingo. Je vais avoir une note d'enfer. Hein? J'ai pris la route panoramique pour venir en classe aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai manqué? Jolies chaussures, n'est-ce pas? Elles sont uniques en leur genre. C'est le seul modèle au monde. Waouh! Hé! Tu veux des réponses? Mon gadget les a toutes. Pas mal, hein? Je sais. Hashtag chanceuse, on dirait. J'arrive, mademoiselle. J'ai trouvé deux modèles en 41. Non.
Que pensez-vous de celle-ci? Non! Oh, d'accord. C'est agaçant. Celle-ci? Celle-là? Quelle horreur! Oh, pas question! Ça suffit! Je vous en prie, donnez-moi une dernière chance. Oh. Il faut que je trouve quelque chose. Ouh, je sais ce que je vais faire. Des chaussures unies, pas de problème. Un joli foulard va les transformer. Il suffit de le couper à la bonne taille. Et quoi de mieux que des semelles dorées? Ça leur donne un petit quelque chose en plus. Parfait! Je m'ennuie. Est-ce que celles-ci vous plaisent? Me plaisent? Vous plaisantez, je les adore! Est-ce qu'elles sont à ma taille? Oh là là, j'ai réussi! Ces chaussures sont splendides! Merci, merci! Vous méritez un gros pourboire! Prenez tout! Je suis un homme chanceux! En route pour les Bahamas! Waouh! Cet endroit est super joli! Et regardez-moi toutes ces chaussures! On dirait une cave au trésor! Il me faut absolument celle-là! Juste cette paire! Est-ce que c'est suffisant? Un dollar? Ça ne couvre même pas les lacets! Vraiment? C'est tout ce que j'ai! J'en ai tellement envie! Je vais voir ce que je peux faire! J'ai ce modèle de l'année dernière! Oh! Je devrais les essayer! J'espère qu'elles sont à ma taille! Voyons voir! Jusqu'ici, tout va bien! Mais il manque quelque chose! Ces chaussures auraient bien besoin d'une petite amélioration! Dans des cas comme celui-ci, on fait ce qu'il faut pour avoir ce qu'on veut! Par exemple, si vous voulez des sandales à lacets, il suffit de les faire soi-même! Trop mignon! Waouh! Je les prends! Youpi! À bientôt! Oh, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir y aller? Mais je n'ai rien à me mettre! Enfin! Une autre fois! Qu'est-ce que c'est que ça? Une chemise? Une robe? Un truc? Peu importe! Quoi d'autre? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Go! Waouh! Hein? Ouf! Ce n'est pas trop tôt! Merci! Êtes-vous une vraie fée? Hé! Hey, vous vous moquez de moi? Non! Oups, pardon! Je pense que tu vas aimer cette tenue! Waouh! Magnifique! Je ne sais pas! Ce n'est pas à ça que je pensais! Essaye ça! Ah! Voilà qui est mieux! J'adore! Ouf! Quel soulagement! Amuse-toi bien à la fête! Je vais leur en mettre plein la vue! Cet endroit est incroyable! Waouh! C'est joli ici! Oh, salut! Est-ce que c'est la même robe que moi? Qu'est-ce que c'est gênant! Oh non! C'est inacceptable! Je dois faire quelque chose! Ce jupon devrait faire l'affaire! C'est une couleur totalement différente! Allô? Du tissu, s'il vous plaît! Je vais en faire un truc unique! Personne d'autre ne portera ce que je porte, c'est certain. Ok, encore un détail ici et là, et j'ai terminé. Oh, je suis de retour. Waouh, ta tenue est magnifique. La couleur est super cool. Ouais, je savais que tu dirais ça. Viens, on va danser. J'arrive. Quelle belle journée! J'ai passé les meilleurs moments! Waouh! Oh, ça fait mal! Je suis heureuse que personne n'ait été là pour voir ça! Oh non! Ma robe! Elle est déchirée! Je pense que je peux résoudre ce problème! Mère Nature serait fière! Et moi aussi! Je n'arrive pas à croire que j'ai dormi si longtemps! Mais je suis arrivée à l'heure à l'école! Je ferais mieux de me changer pour le cours de gym! Au moins, je n'ai pas oublié mes vêtements! Jouons au ballon! Hé, je suis là! Hein? Regardez ce gâchis! Ces satanés gamins ne nettoient jamais après eux! Tout ça peut aller à la poubelle! Le travail d'un agent d'entretien n'est jamais terminé! Qu'est-ce qu'il ferait sans moi? Ah, probablement engager un autre agent de nettoyage! Quoi qu'il en soit, mon travail ici est terminé! Quel beau match! Il est temps de s'habiller! Attendez, où sont mes vêtements? Ils étaient là! Ils ne peuvent pas avoir disparu comme ça? C'est mauvais! Je ne peux pas aller en classe dans cet état! Hein? C'est mon écharpe! Elle pourrait s'avérer utile! Je la plie en deux, ensuite je l'enroule autour de ma taille. D'abord cette fin,
Et puis l'autre, j'ai besoin de mon attache-cheveux. Je pince le tissu et je glisse la barrette par-dessus. Ça la maintiendra en place. Waouh, j'adore ça! Au moins, mes chaussures sont toujours là. J'ai réussi! Ouf, quelle journée! J'ai fait le ménage chez moi. J'ai passé l'aspirateur partout et maintenant c'est l'heure de la lessive. J'ai l'impression de n'avoir pas arrêté de la journée, mais il faut le faire. Au moins, j'ai presque terminé. Il ne reste plus qu'une chose à repasser. Ensuite, je peux me détendre. Je vais peut-être regarder un film. Oh, quelqu'un m'appelle! Je ferais mieux de répondre. Bonjour! Hey, comment vas-tu? Vraiment? Mindy a fait quoi? C'est très drôle! Nous devrions déjeuner ensemble! Attends, quelle est cette odeur? C'est... ça sent le brûlé! Non, le fer à repasser! Oh, mon top! Il est troué! Je ne peux pas porter ça à nouveau. Ou peut-être que je peux. J'ai une idée. J'ai juste besoin d'un peu d'inspiration. Voyons voir. Oh, c'est joli. C'est très coloré. Je le place sur le trou. J'ai maintenant besoin d'un film plastique. Je l'utilise pour couvrir la photo. Je coupe l'excédent de nylon. J'en ai fini avec ça. Ensuite, j'ai besoin d'un morceau de papier résistant à la chaleur. Je le place sur le dessus du plastique. Je dois le couvrir complètement. Ajoutons un peu de chaleur. Je passe le fer à repasser sur la photo. Je fais en sorte que ce soit bien lisse. Ça devrait suffire. Je suis une professionnelle du fer à repasser. J'espère que ça a fonctionné. Je vais décoller le papier. C'est ce que j'avais prévu. Waouh, je devrais brûler plus de tops. Et je suis styliste de mode maintenant. Ah, je suis en retard! Ces chaussures feront l'affaire! J'ai l'air bien! Quel sac est-ce que je dois prendre? Tout est dans les accessoires. Celui-là est assorti à ma robe. Je ne suis pas sûre. Non, ça n'ira pas. Est-ce qu'il y a d'autres? Il est bon, mais il ne passe pas le test de la chaussure. Il reste à la maison. Oh, celui-là pourrait marcher! J'adore la couleur! Mais il n'attire pas vraiment l'attention. C'est un nom catégorique. Non, non, pas question. Ah! Il n'y a aucune chance. J'ai fait le tour de mes sacs. Rien ne va avec ma tenue. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un sac? Je peux juste porter mes choses. Peut-être pas. Attendez un peu. C'est parfait. J'ai un plan. Je vais mettre mon argent dans le porte-monnaie et je ne peux pas oublier mon maquillage. Ça rentre? Oui! Je suis si heureuse. C'est génial. Et mes chaussures sont superbes. Maintenant, je peux aller dîner. Oh, je suis réveillée! Tais-toi! Je faisais le plus beau des rêves. Je ne suis pas une personne qui aime le matin. Quelle mauvaise journée pour mes cheveux. Je vais devoir les laver. Essayons encore une fois. C'est plutôt ça. Un petit coup de sèche-cheveux. Attendez, ma peau est si terne. Ce n'est pas grave. J'ai ce qu'il faut. Je vais appliquer ce masque de beauté. Il va tout arranger. C'est comme une crème miracle. Ma peau sera éclatante. Je ne peux pas oublier mon nez. Les choses que je dois faire pour avoir l'air bien, il m'en faut plus. C'est le prix à payer pour ne pas avoir eu un sommeil réparateur. Ouf, ce n'était pas une mince affaire. Je suis tellement fatiguée. Je ferme les yeux un instant. Les licornes ne peuvent pas conduire de voiture. Hein? J'ai dû m'endormir. Quoi? Quelle heure il est? Non, ce n'est pas possible. J'ai laissé le masque trop longtemps en place. Il ne s'enlève pas. Pourquoi tout le monde me regarde? Au moins, je ferai bonne figure sur les photos. Vieillir avec grâce, tu parles. Oh, je ne peux pas permettre ça! Ok, réfléchis! Je dois pouvoir faire quelque chose. L'aspirateur, bien sûr! Je vais le passer sur mon visage. C'est la seule chose à faire. Souhaitez-moi bonne chance. Eh, ça marche! Le masque s'enlève. C'est si facile. Et c'est une drôle de sensation. J'ai presque terminé. Voilà, tout est parti. Ma peau est impeccable. Il reste encore une chose à faire. Tu peux aller à la poubelle. C'est notre petit secret, ok? Ah! Oh, c'est moi? Je vais changer de vêtements pour arranger ça. C'est mieux, tu ne crois pas? Rien de tel qu'un bon changement de tenue. Hé, comment Jake a fait ça? Je me demande si je peux le faire moi aussi. Tout ce que j'ai à faire, c'est tomber sur le lit, non? Ah! Ces chaudes journées d'été ne sont pas une blague. Je transpire comme une dingue ici. Pourquoi je n'ai pas pris un appartement avec l'air conditionné? Ouf, c'est mieux. De qui je me moque? Je suis en train de fondre. Ok, je peux surmonter ça. Mais j'ai la gorge toute sèche maintenant. C'est comme un désert dans ma bouche. Attends, j'ai un jus bien frais dans le frigo. Cette boisson va me sauver. Oh, quel soulagement! C'était quoi ça? Un clou? Comment il est arrivé là?
Ce débardeur est tout neuf en plus. Je n'ai vraiment pas de chance. Mais peut-être que je peux arranger ça. Il faut juste un peu d'ingéniosité. Tu as abîmé ton débardeur? Découpe-le tout simplement. Coupe en ligne droite au-dessus du trou. Puis retire la partie supérieure et coupe la bande comme ça. C'est parfait. Maintenant, utilise-la comme nœud pour ton haut. Passe-la à travers et fais un nœud. Assure-toi qu'il soit bien serré. Plutôt mignon, non? Et parfait pour ce temps chaud. Je me demande où est mon rendez-vous. Pas grave. Comme ça, j'ai le temps de prendre une petite photo de cette adorable tenue. Coincé à la maison? Alors pourquoi ne pas faire quelques achats en ligne? C'est joli, non? Aïe, un peu cher. Mais le violet est trop beau, tu ne trouves pas? Gah! Qui a autant d'argent? Je peux faire du repassage. Aujourd'hui, j'ai un grand jour de lessive. Il faut que je trouve de l'argent. Ça ne me permettra même pas d'acheter une manche. Quoi? Il n'y avait pas de tache avant. Je crois que c'est à cause de l'eau de Javel. Qu'est-ce que je fais? En fait, attends une seconde. La Javel de Betty! Tu penses que ça pourrait ressembler à un tie-dye? Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Prends un vêtement de couleur vive et tords-le avec une fourchette. Mets quelques élastiques autour, puis vaporise-le avec de l'eau de Javel. Après quelques minutes, tu verras que les choses commencent à changer. Couche les élastiques et admire ta création. Pas trop mal. Fini les pulls ennuyeux. Pourquoi payer une fortune quand tu peux le faire toi-même? Et avec de la bonne vieille eau de Javel. Je n'arrive pas à enlever cette tache. C'est ma Javel? Tourne-toi. C'est génial! Merci. Tu penses que ça peut aider? L'école, c'est assez dur comme ça, sans avoir en plus à gérer les problèmes. Ah! J'ai du soda partout sur mon haut! C'est une blague? La journée ne fait que commencer, je suis déjà énervée. Cette fille va le payer cher. Qu'est-ce que tu as dit? Rien, je faisais juste une petite danse, c'est tout. C'est ce que je pensais. Je peux remédier à ça. Je garde un morceau de savon pour ce genre d'occasion. Je vais y aller maintenant. Bonne journée! Où sont tous les jolis vêtements? Oh mon Dieu! Gros coup de cœur! Cette tenue est parfaite! Tellement belle! Il me la faut! Non, elle me revient de droit! Ce tissu est tellement majestueux! Tu rentres à la maison avec moi? Attends, elle est coincée! Non, elle est à moi! Je ne vais pas lâcher si facilement! Ah ouais? Je suis super endurante! Je l'ai vue la première! Elle est à moi! Non, rêve toujours! Elle est à moi! Une victoire écrasante! Ouais, j'ai gagné! Comme je l'ai dit! Ce n'est pas fini! Je t'aurai la prochaine fois! Pas de soucis, je serai là! Il est temps de profiter de ma victoire! Je m'en vais! Ce sera superbe sur moi! Oh non! C'est trop gros! Tu as remporté une jupe qui ne te va même pas! C'est pas juste! Elle doit bien pouvoir m'aller! Il faut que je trouve une solution! Attends une seconde! Il y a peut-être un moyen! Oui! Je peux utiliser une épingle! Je vais plier le tissu qu'il y a en trop, m'assurer que ce soit bien à ma taille. Maintenant, je fais passer l'épingle. Parfait! Une petite torsion finira le look! Mieux vaut regarder dans le miroir pour être sûr. Oh oui, c'est superbe maintenant! On ne dirait même pas que je l'ai retouchée! Cette jupe est parfaite! Je l'adore! Blabla, cette jupe est parfaite! Je l'adore! Blablabla!
dommage pour toi que je l'ai gagné. Adieu et bonne journée. Oh, je l'aurai à jour. Alors, à quelle heure veux-tu manger? Ok, ça me va, super idée. J'ai bien envie de plats chinois. Oh là là, ces livres sont tellement lourds. Pourquoi en ai-je autant? Bon, je les ai tous. Il me faut juste fermer mon casier. Non, mon sac a glissé de mon épaule. C'est tellement frustrant. Non, je suis encore ici. Continue. Allez, maudit sac. Allez, tout de suite. Oh, d'accord, je pense que ça va fonctionner. Doucement, doucement. Bon, ça ne fonctionne pas. Il faut que j'essaye autre chose. Reste calme. Profite du moment. Respire. C'est ça. Un équilibre parfait. Harmonie. Excuse-moi, tu bloques le hall. Hé, abruti! Oh, je crois que j'ai une idée. Ça pourrait marcher. D'abord, j'ai besoin d'un sac. En fait, en premier, j'ai besoin de la sangle du sac. Je la décroche d'un des deux côtés, puis je la fais passer sous la poignée. Maintenant, je la remets dans la boucle. Ça a fonctionné! Deux sangles en une! Tada! Mon adorable sac est devenu un sac à dos! Maintenant, je ne le sentirai plus glisser sur mon épaule. En plus, il est trop mignon! Prends ça, bandoulière! Désormais, tu resteras en place! Maintenant, je suis prête! Allez! Est-ce que j'ai abîmé mon sac? Ouf! Il n'a rien! Ouh, c'est bien! Quoi? J'ai oublié le bal de fin d'année! Je dois me préparer! Mes cheveux sont bien, n'est-ce pas? Mais un diadème les mettrait en valeur! Regardez comme ça brille! Ouais, c'est ça! D'accord, mais je ne peux pas porter ce t-shirt! Ou rien de ce que je porte, en fait. D'accord, il me faut quelque chose. Oh, je pense que nous avons un gagnant. Wouhou! Ce n'était pas trop difficile. Tada! Pourquoi est-ce que ça me donne un look de mercredi? Non. Que pensez-vous de ceci? Mon esprit Spider-Man. Et c'est un non. Absolument pas. Et ça, sombre et obscur. Ah, je me suis fait peur. Hé, cette robe est mignonne. Je pense que j'ai un gagnant. Au revoir la cape. Et bonjour beauté. C'est si joli et c'est rose. Je l'adore. Je peux avoir cette danse? Waouh, vous avez de bons pas de danse. Où avez-vous appris à danser? Oh non, attendez un peu. Qui va au bal de promo sans chaussures? Quel loser! Pieds nus au bal de promo, je parie qu'il pue aussi. Oh, stupide rêverie, mais il n'a pas tort. Pas celle-là, certainement pas. Oh, ce sont-elles les bonnes? Je suis tellement excitée, j'espère qu'elles me conviendront. Un peu serrée. D'accord, trop serrée. Je ne peux même pas marcher avec ça. Oh, je ne peux même pas entrer les pieds dedans. Mon talon entier est dehors. Oh, je ne peux pas aller au bal de promo maintenant. C'est tellement injuste. Sèche ses larmes, Ellie. Hein? Waouh, qui es-tu? Je suis ta fée marraine. Tu n'aurais pas des chaussures par hasard? Parce que je vais aller pieds nus au bal de fin d'année. Oh, ce n'est pas du tout un problème. Pas avec ça, en tout cas. Voilà, c'est parti. Plus besoin d'aller pieds nus. Voici ce que tu vas porter. Laisse les papillons faire leur travail. Regarde! Elles sont si belles! Je n'ai jamais rien vu de tel! Merci, bonne fée! Il n'y a pas de quoi! Tout tourne autour des papillons. Ne sont-ils pas magiques? Allons-y, on va être en retard!
Viens avec. Oh, je suppose que j'irai seule alors. Les chips salés sont bien meilleurs que le bal. Waouh, ils ont de jolies choses ici. Oh, regardez ce sac. Trop mignon. Oh, il me faut ce sac. Il est tellement étincelant. Attends, j'en ai besoin. Pas question. Je l'ai vu en premier. Ce n'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Lâche. Oh, peu importe. Je vais me fabriquer un sac à main parfait. Et il aura toutes ses couleurs. Ça va être épique. Jetez un coup d'œil à mon sac, tout le monde! N'êtes-vous pas si jaloux? C'était aussi très cher. C'est plutôt mignon. Je sais. Va-t'en! Moi et mon sac avons besoin d'espace. Quoi? Ce sac est génial! Bravo! Oui, je l'ai fait moi-même. Ouais, c'est vrai. Et j'ai apporté des encas pour tout le monde. J'espère que vous avez faim. Oh, personne ne regarde mon sac. Je m'en vais. Je suis heureuse que vous l'aimiez. N'arrêtez pas. Faites éclater les pop-its. Waouh, cet endroit est vraiment génial! Comment bien commencer le week-end? Tu penses à ce que je pense? N'en dis pas plus, je sais! Génial! Salut mec! 2 mini cheesecakes! Je vais les prendre avec ma carte. Ça ne passe pas ici. Celle-ci alors? C'est bon! Merci! Et voilà le dessert! J'ai pris ton parfum préféré! Grace? Hein? Oh, salut! Je peux savoir ce que tu fais? Oups! Désolée! Bon, puisque je suis là... Je n'arrive pas à croire que Jake m'ait laissé tomber! Oh, ça ne va pas se passer comme ça! C'est hors de question! Il faut que je me démarque! Voilà, comme ça. Encore un peu. Maintenant, laissons la magie opérer. Je fais un double nœud pour ne pas que ça bouge. Puis, je rentre les bords à l'intérieur. Et je fais glisser le t-shirt sur mes épaules. Je replie un peu les manches, si elles sont trop longues. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce top? Pas mal, hein? C'est carrément tendance, pas vrai? Jake! Tu es toujours occupée à ce que je vois. Ce n'est pas grave, je vais attendre. Grace? C'est toi? Ta langue va bientôt toucher le sol. Hé! Et moi alors? Je déteste mes fringues. Je parie que je peux le faire aussi. Oh! Waouh! Ouais, ça fait toujours cet effet. Est-ce que je peux t'offrir un café? Temps de se mettre au lit, nounours. Nous avons une longue journée devant nous. Ah. Yo! Qu'est-ce qui se passe? C'est plus clair? Oh oui, rock'n'roll! Wouhou! C'est super! Tu as bien progressé à ce que je vois. Wow! Un concert privé dans ma chambre! Je n'en reviens pas, on dirait un vrai pro! Wouhou! Yeah! On va tout casser! Ouais! Rock'n'roll! Waouh! Poussez nounours! Bon, eh bien, ils ne tomberont pas plus bas! Hors de question de gâcher les nounours bleus! Stacy? Non! Quoi? Attends, ne te fâche pas! Mais, c'est... Mais, bon, bon! Oh non! Ce n'est pas juste! Oups, est-ce que ça fait de moi un méchant? Yeah! Tu vois ce cercle en caoutchouc? Place les oursons à l'intérieur! Mets-en tout autour!
fois que c'est fait, verse de la résine transparente par-dessus. Doucement! Il faut bien recouvrir tous les oursons. Une fois terminé, on obtient un joli bracelet. Rock'n'roll, baby! Oh, c'est pour moi? Donne-moi ta main. Et voilà, comme ça, tu auras toujours tes oursons avec toi. Oh, cool! Wouhou! Merci, grand frère. Check, ma sœur. Cool! Encore une chose. Quoi? J'ai cette chemise géniale qui va avec. C'est pour moi? Yeah! T'es trop stylé, grand frère! Il n'y a que les vrais hommes qui portent du rose. Salut! Je suis venue pour l'entraînement. Dans cette tenue? C'est inacceptable. Va te changer. Me changer? Mais c'est tout ce que j'ai. Tu sais lire? Hein? Oh, je dois mettre une tenue de sport? Moi! Je reviens! J'aime le succès. Et voilà! Est-ce que tu vois de la glace quelque part? Tu m'as dit de mettre une tenue de sport! Attention! Est-ce que c'est mieux? Non! Non! Et non! Oh! Cette fille n'est pas croyable! Ouf! Et maintenant? C'est bon? Je ne suis vraiment pas assez payée pour ça! Et là, c'est bon? Non! Sérieux? Oh yeah! Allez, on se bouge! Waouh! Non! Bon, cette fois, c'est sûr que c'est bon! Oh. Non! Oh. Et là, c'est bon? Je perds patience! Reste calme! Mais tu ne comprends pas ce que je te dis! Pas besoin de crier! Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Les objets trouvés? Mais bien sûr! Est-ce qu'il y a au moins quelque chose d'utile là-dedans? Non. Allez! Ah, voilà! Il faut juste que je fasse quelques modifications. Prends une paire de ciseaux et des coupes de base en haut, comme ça. Jusqu'à la moitié. Ensuite, retourne-la. Et tada! Tu as deviné? Il n'y a vraiment rien de plus simple. Génial! Une brassière de sport! Waouh, ça déchire! Je l'ai faite moi-même! J'aime beaucoup ton style! Merci beaucoup! Oh, il faut que j'y aille! Je suis prête! Ça vous embouche un coin, hein? Je ne vous jette pas la pierre! Allez, au travail! 1, 2! Oh! Déjà? On n'a même pas commencé! Salut toi! Je te présente Gina! Waouh! Je suis tellement nerveuse! Et voici Grace! Ah ah! Bonjour à tous! Tu es prêt pour le vote? Alors selon toi, lequel de ces deux looks est le meilleur? Dis-le-nous en commentaire! Hé! Hey, donne-moi ton argent! Non! Regardez-moi cette meuf! Oh! J'ai une poussière dans l'œil! Ça fait mal! Ce sac est à moi! C'est parti! Ha! Ouf! C'est mieux! Ne te retourne pas! C'est bien, reste distraite! Et... hop! Trop lente, mademoiselle! Je ne pense pas, monsieur! Oh non! Je vais tomber! Oh! Je n'avais pas pensé à ça! Pardon? Ce crétin a détruit mon sac de créateur! N'appelez pas la police! J'arrive pas à y croire! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Regardez mes affaires! Elles sont toutes sales! C'est pas de chance! Mon foulard? On dirait qu'il est encore en bon état!
Je crois que je peux en faire quelque chose. Un nœud ici. Et un autre à chaque coin. Voilà! Ça fait une sorte de petite poche. Maintenant, je relie ces deux-là. Un double nœud sera même meilleur. Et voici des poignées. On dirait un sac tout neuf. Parfait pour ranger temporairement mes affaires. Il est même plutôt mignon, pas vrai? C'est pas un petit voleur qui va me gâcher la journée. Oh! C'est pas bientôt fini! Ah! Aïe! 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 Oh, ça va aller? Quelle chochotte! J'ai presque fini! Très bien, voilà! C'est fini? Trop bien! On dirait une vraie rockstar! J'ai hâte de le montrer à tout le monde! Oh, ce pull cache la vue! Je refuse d'avoir autant souffert pour rien! Un pull? Erreur de débutante! Est-ce qu'un nœud fonctionnerait? Je déteste ce truc! À moins que… Je peux enrouler ma manche pour maintenir le tissu relevé. Je n'ai plus qu'à remettre mon bras de cette façon. Comme ça! Comme ça! Il ne descend plus aussi bas. Ma coolitude vient de monter d'un cran. Contente que ça te plaise, gamine. Merci, vilaine tatoueuse! Je veux dire, c'est cool! Oui, je suis trop heureuse! Ouah, oula, ça n'a pas l'air bon. J'en ai vu assez. Vous êtes méchante! Au revoir. Voyons, Emma. Oh, j'espère que je ne vais pas vomir. J'arrive! La compétition s'annule dure, hein? Je dois la sortir de la course. Je bois simplement mon café. Oups! Quelle maladresse! Hé! Mais ça va pas? Oh! Je suis si confuse! Je ne peux pas me présenter comme ça! Je ne peux plus porter ça maintenant! Oh! Ma tenue est fichue. Sauf si je fais un petit ajustement. Réfléchissons. Je peux utiliser ma bretelle pour changer la forme de mon top. Vous voyez comme ça change tout? Avec juste un peu d'imagination. Waouh! Où a-t-elle trouvé ce haut? Sa tenue est plus belle que la mienne. Oh non! Ouais, je ne serai jamais mannequin! Oh, respire! Bonne chance! Allez! Hé, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je ferais mieux de me rapprocher. Ils la prennent? Oh, le casting est terminé! Qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez appeler un taxi. Est-ce que ça vient vraiment de se passer? Oh! Ces accords me touchent profondément. Hein? Une autre soirée à thème? C'est incroyable! Où en étais-je? Ah oui! Aloha, Betty! Prête pour la soirée hawaïenne? Oui, bien sûr. On peut y aller. Tu ne vas pas porter ça. C'est une fête, pas un enterrement. Ben quoi? Tu vas faire fuir tous les invités. Quelques fleurs devraient régler le problème. Aloha! Suis-moi. Ce sont nos seules options? Intéressant. Il fait froid à Hawaï, non?
Je plaisante. Je crois qu'on va rester à la maison. Saleté de fleurs! Je me sens un peu mal, du coup. Hé, Bella, salut! Quoi? Ok, ça va. Tu me pardonnes? Tu sais que je ne peux pas rester en colère. Un t-shirt rose? Il était sous notre nez pendant tout ce temps! Attrape! Ça? Ok. Il ne m'ira sûrement pas. Tu vois? Il a un énorme trou. Ce n'est pas un problème. Tu as un t-shirt troué? Plus maintenant. Maintenant que tu l'as découpé, nous avons de quoi travailler. Regardez comme c'est mignon. Utilise le surplus de tissu pour faire de jolies franges. Fais un nœud comme ceci. Tada! Waouh! C'est même assez mignon en fait! Bien joué! Je suis vraiment douée, n'est-ce pas? On y va? Tu es sûre que ça rend bien? Allez, dépêche-toi! J'essaye! Pourquoi c'est si dur d'enfiler un jean skinny? Deux minutes! Ça me fait mal de regarder ça. Je crois que c'est bon. En fait, non! Je vais tenter avec un angle différent. Qu'est-ce que tu fabriques? Je n'en ai pas pour longtemps! Tu vois, j'ai fait passer mes orteils. Phew! C'était dur. Bon, on passe à l'autre jambe. Oh oh! Je n'aime pas ce bruit. Oh non! Tout va bien, je peux régler ça. Avec ces ciseaux! Il faut juste que je trouve le bon endroit de l'autre jambe. Ça m'a l'air bien. Comme ça, je vais découper le jean. Voilà, on coupe tout. Je n'avais pas prévu ça. Il faut que j'égalise maintenant. C'est de plus en plus court. Bon, arrête! Donne-moi ça. Si tu y tiens. Mais je m'en sortirai bien toute seule. Oui, oui. Pose ce qu'il reste de ton jean sur la table et prends une paire de ciseaux. Découpe la partie la plus longue en suivant une diagonale. Comme ça, on a un short. J'ai des petits strass. Je vais en faire des bandes. Et c'est là qu'on va commencer à s'amuser. On va personnaliser ce short. Il va nous falloir un pistolet à colle. Je vais mettre un point de colle sur l'extrémité du short. Et je colle dessus la bande de strass. Je vais faire ça sur tout le short. Avec des bandes de couleurs différentes. Voilà, j'ai fini. Pas mal. J'espère que ça va plaire à Mia. Vas-y, essaye ça. Mais non, il est trop beau. Merci, Betty. Avec plaisir. Tu es la meilleure. Je suis bien. Une dernière retouche et je suis prête. Betty? Oh, regarde-moi cette chambre! Tout est en bazar! Quelle honte! Il y a du maquillage et des vêtements partout! Range-moi tout ça, jeune fille! Ce n'est pas si terrible! Tu te moques de moi! Je ne peux même pas! Oh, bon, d'accord, je vais ranger! Oh, il y a quelque chose là-dedans! Ça me donne une idée! Une idée pour mieux ranger! Je peux utiliser tous ces vieux jeans. Ça vaut le coup d'essayer. Je vais faire un peu de place. Voyons voir ce qu'il y a dans ce carton. Il y a beaucoup de jeans. Au moins, ils vont servir à quelque chose. Au travail, j'ai pris mes bons vieux ciseaux. Je vais commencer par ce jean. Je vais découper la poche arrière. Il faut que la poche soit intacte. Je vais en découper deux ou trois autres et maintenant je prends un tissu couleur jean et je dépose un trait de colle sur le côté. Je colle ce lacet de chaussures dessus et pareil de l'autre côté. Je vais faire un nœud avec ce qui dépasse. Ensuite, je mets de la colle à l'arrière des poches. Pas besoin de beaucoup de colle.
Je vais la retourner et je la fixe sur le tissu. J'appuie bien, il ne faut pas que ça bouge. Je vais coller les autres poches. C'est la dernière. Voilà, fini. Alors, où est-ce que je vais l'accrocher? Ici, c'est parfait. Ça fait un beau rangement. Tu m'entends? Range ton maquillage là-dedans. C'était si dur que ça. Oh, merci, maman. Je ne veux plus voir de bazar. Maman? Je ne veux rien dire. Waouh, ce dessin est superbe. Oh, je peux piéger Mia. Tout doucement, elle ne se doute de rien. Chut! Bon! Ah! Oups! Qu'est-ce que... Comment tu as fait ça? Waouh, fais voir! Hein? Mia, tu m'enlèves mon pantalon! J'ai une super idée! Je vais personnaliser ton jean. D'abord, je vais tracer mon dessin au stylo normal. Il me plaît. Et maintenant, je repasse au marqueur. Je vais ajouter de la couleur. Il ne faut pas que je dépasse. Ça va être trop beau! On peut laisser libre cours à son imagination. Je vais ajouter quelque chose en bas de la jambe. Je vais faire un petit chien. D'abord, je le dessine au stylo. Et ensuite, je le colorie. Pas à dire, ce jean sera super original. Trop beau! On va passer à la poche arrière. Je devrais en faire mon métier. Je pense que c'est bon. Mais non! Comment tu trouves? Waouh! Je ne sais pas quoi dire. Tu as un vrai talent. C'est bon, je sais quel est mon jean préféré maintenant. Il est trop sympa. Merci, Mia. Oh, attends. Tiens. Tu es sérieuse? Come on. D'accord. Mais tu m'en dois une. Oh, un message de Mathieu. Oh, non. Il veut qu'on se voit aujourd'hui. Cool. Mais d'abord, une tenue. Oh, bonjour. Tu cherches des vêtements, n'est-ce pas? J'ai un rendez-vous, tu comprends? Ah, j'ai quelque chose de parfait pour toi. Horrible! Et ça? Vraiment pas moyen. Maintenant, va essayer ça, ok? Eh bien, c'est charmant, non? Une tenue simple et modeste. Et que serait une tenue parfaite sans perles? C'est vraiment nécessaire, maman? Oh, ça ne va pas du tout! Oh! Tiens-toi droite! Oh! Ils grandissent si vite! Oh! Saleté de perles! Je suis couverte de la tête aux pieds! Je sais! Moins de tissu, c'est mieux! Et je veux dire beaucoup moins dans ce cas! Hé, laisser voir un peu de peau serait une bonne idée. Ah, c'est tellement mieux. Et plus de manches. Ou de chemises longues, d'ailleurs. Ok, maintenant que le soutien-gorge est en place, on relève les manches. Sympa, non? Mathieu? Tu m'as reconnu, n'est-ce pas? Pas trop. Mais est-ce que c'est la même personne? Et alors? Oh, eh bien, je me suis bien fait avoir. Mmh. Salut, Gina. Prête pour notre rendez-vous? Attends une minute. Vous êtes deux? Hé, hey, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, c'est ce que je pensais. Ah, je suis plus que soulagée. J'aurais dû te prévenir que j'avais un jumeau. Ouais, mais tout va bien, finalement. Waouh, regarde ça! J'ai une bretelle qui dépasse, mais peu importe. Ouch! Ça fait bizarre. Hé, je suis contente de te voir, Stacy. Oh-oh! Aïe! Je suis désolée. C'est bon, ça va. Oh, salut! Est-ce qu'elle va bien? Hé! Hey,
J'ai voyagé dans le temps ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette bretelle me cause des soucis. Ah, je préfère le look sans bretelle. Mais comment? Oh, c'est juste une petite astuce, mais ça marche. Il suffit de prendre la bretelle et de l'accrocher juste à côté de l'autre. Tadam! Problème résolu! Merci! Mais attends! Hé, hey, tu peux m'aider? J'arrive! Oh, alors, on vient me chercher! Eh bien... Wow, je dois y aller! Voilà, ça devrait le faire! Oh! Quel voyage! Mais je suis de retour! Et sans cette horrible bretelle! Bien sûr que je vais à la soirée! Salut les oursons! J'espère qu'il y aura des mecs mignons! Betty, tu joues avec moi? Va-t'en, je suis au téléphone! Mais non, il vient? Oh, je vous aime quand même, mes nounours! Je me demande de quoi parle Betty! Je dois rester discrète! Oh, intéressant! Recule! Oh, t'es pas drôle! Je dois bien pouvoir faire quelque chose! Je pourrais me faire passer pour une créatrice de mode! Les vêtements de Betty sont super classiques. Je peux les rendre plus stylés. Il faut juste couper ici. Oh oui, c'est beaucoup mieux. Il est trop haut. Oh, attends, c'est à moi ça. C'était quoi ça? Arrête! Quoi? T'es vraiment une gamine. Donne-moi ça. Oh, je peux le mettre à la poubelle. Mais je me suis bien amusée. Attends, je n'ai peut-être pas à le jeter. Je peux toujours le mettre. Il faut d'abord que je le plie en deux. Et je vais couper au milieu. Il faut que je coupe bien droit. Je vais enlever les manches. Et maintenant, je découpe des bandes. Je m'arrête juste avant d'arriver au col. On dirait un peu un pompon quand je le déplie. Je vais étaler toutes les bandes. Je vais prendre ces deux-là et les attacher ensemble. Je vais continuer d'attacher le reste. C'est comme si je faisais une tresse dans mes cheveux. Je vais faire des nœuds tout en bas. Je veux que ça ressemble à un filet. Waouh, pile ce que je voulais! Mais je ne peux pas encore le porter tel quel. Là, c'est mieux! Oh là là! C'est trop mignon! T'es toujours nulle! Je suis prête à faire la fête! Je peux peut-être retoucher son sac aussi! Mia, non! J'ai trop hâte d'être à ce rendez-vous. J'espère qu'il va bientôt arriver. Il m'a posé un lapin? Tu es où? Pourquoi ça m'arrive toujours à moi, ça? Un milkshake délicieux. Hein? C'est Mia? Mia, hé! Comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps. Oh, oups! Ma jupe est morte, alors que j'ai un rancard. Ah bon? T'inquiète, je gère. Détends-toi! J'ai toujours une tenue de rechange, ça m'arrive souvent. Mon haut n'a pas de problème, c'est ma jupe! Essaye quand même. Ouais, voilà, continue! Pourquoi je fais ça? Ça ne m'a pas l'air d'aller. Je vais t'aider. Il faut qu'on fasse passer les bretelles. À quoi ça sert? Comme ça, on peut le faire glisser. Et le transformer en jupe. Enlève celle d'en dessous. Une toute nouvelle tenue. Oups. Oh là là, tu es la meilleure. Oh, il arrive bientôt. Oh, bon courage. Merci. Oh, ma boisson. Merci. Attention. Oh, on m'appelle. Attendez. Non. Oh, pas une deuxième fois! Je suis tellement désolée, je suis extrêmement maladroite. Attendez, j'ai une idée. On peut peut-être se servir de cette écharpe. Ça vaut le coup d'essayer. Je vais m'enrouler dans l'écharpe en gardant les deux bouts. Ensuite, je vais passer les deux bouts dans ma bague. Je vais glisser la bague vers le bas, comme ça. Ça va serrer l'écharpe. Je vais passer les deux bouts derrière mon cou et faire un nœud. Comme ça. Vous êtes superbe! Ça vous va à merveille! Je suis tellement soulagée! Je vous en prie, asseyez-vous!
C'est reparti. Pardon, je suis un peu stressée. Phew! Te voilà! Désolée d'être en retard, c'est pour toi. Oups! Oh, je n'ai pas fait exprès. Oh non! Non! J'imagine qu'on ne va pas se revoir. Betty! Je n'ai plus de change. J'en ai marre! Je vais rester célibataire. Ah! J'ai tellement chaud. Deux! Je déteste les abdos. Moi aussi, mais il faut les faire. Oh, Jennifer, regarde! Quelqu'un d'autre a chaud. Oh, waouh! Ouais, carrément chaud. Où va-t-il? Je dois le voir. Oh, il soulève des poids juste à côté de nous. C'est comme si c'était mon anniversaire et Noël en même temps. Je crois que tu devrais aller le voir. Regarde ses muscles! Il faut m'assurer d'être au top. Allez, c'est parti. Jennifer, attends! Regarde, tu es toute transpirante! Oh, tu as raison! Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, ce n'est pas ta plus belle tenue. J'aurais aimé que mes vêtements de sport soient plus beaux. Jennifer, j'ai une idée de génie! Et si on... Tu as raison! C'est une idée de génie! Allez! Il est temps de retirer mon short! Fait! Prochaine étape. Un bras dans une jambe et maintenant je passe la tête. La tête est passée. Maintenant au second bras. Et voilà. Ouf! Maintenant je suis canon au lieu d'être transpirante et dégueu. Ouais, c'est vrai! Allez, vas-y ma belle! Tu es superbe. Il ne verra que toi. Ok. Je me lance. Souhaite-moi bonne chance. Oh, elle y va! Je ne peux pas regarder ça. Je plaisante. Bien sûr que je vais regarder. C'est comme l'amour au premier haltère soulevé. Je devrais écrire une chanson sur ce thème. Oui, c'est officiel, c'est mon nouveau jingle. Waouh, cette fête est mieux que ce que je pensais. Oh, du punch, il a l'air bon. Oh mon Dieu, Jennifer, on porte la même tenue. Oh non, tu as raison, nous sommes habillés pareil. C'est pour ça que je voulais me concerter avec toi. Oh non! Je n'avais pas prévu ça! Désolée! Tu plaisantes? Maintenant, je suis trempée! Désolée! Pas du tout désolée! À plus tard! Je n'en reviens pas! Je ne sais pas quoi faire! Attends, je crois que j'ai une solution! D'abord, j'aurai besoin de retirer mon t-shirt et de le mettre sur une surface plane. Maintenant, il faut couper avec des ciseaux. Je vais couper le col et les manches entièrement. En fait, ce qu'il me faut, c'est l'image sur l'avant du t-shirt. Tout le reste peut aller par là. Et il est temps de couper encore un peu. Un petit pli par-ci, une petite incision par-là. Je vais faire ça des deux côtés, du haut vers le bas. Maintenant, je vais ramener ça par ici et l'ouvrir pour la prochaine étape. Les angles supérieurs du milieu doivent être pliés. Il est temps de ramener les bandelettes découpées plus tôt. Je vais les étirer un peu et les mettre entre les deux morceaux de t-shirt. Maintenant, il est temps de tresser. Je vais d'un côté puis de l'autre, comme si je lassais mes chaussures. Il faut que ce soit serré, mais pas trop. Je vais commencer en haut et je vais aller jusqu'en bas. Et arrivé en bas, j'attache les deux bandelettes. Je le remets à l'endroit. Et voilà, j'ai fait un nouveau haut. Ajuste les cordelettes sur les côtés au besoin. Super mignon! Maintenant, je suis prête pour la fête. Waouh! Regardez Jennifer! C'est ça, je suis de retour. Va plus loin, Eva. Hé, Jennifer, tu es superbe. Qu'est-ce qui se passe? Je suis juste là. Tu as fait ce haut toi-même? Je te crois pas. Oh, Jennifer et son maudit top! Ah, j'ai très bien dormi! J'ai rêvé que j'avais encore plus d'argent! C'était top! Attendez, ça ne va pas! Où est mon pantalon? C'est pas très beau à voir! Qu'est-ce que je vais faire? Je sais! Je vais faire un peu de shopping en ligne! Il y a tant de choix! Celui-ci a l'air bien! Waouh, c'était rapide! J'en veux plus! Dépenser de l'argent, c'est amusant! Plus! Encore plus! Plus! Est-ce que ça suffit? Waouh, regardez tous ces vêtements! Mon gestionnaire de compte bancaire va être furieux! Je ne regrette rien! Attendez, le pantalon! Ah, le voilà! Je vais l'essayer! Oh oh, c'était peut-être une erreur! Ah! Oh, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux!
Maintenant, où est ce pantalon? J'espère qu'il en vaut la peine. Joli, il m'ira à ravir. J'adore les céréales. Rien de mieux pour commencer la journée. J'ai plus de place. Je vais peut-être lire le journal, histoire de rattraper les potins. J'ai rien d'autre à faire. Qu'avons-nous là? Intéressant. Waouh, je savais pas. Vraiment? Fascinant. On en apprend tous les jours. J'arrive pas à le lâcher. Waouh! Ouille, ça fait mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez une seconde. Il y a du fil partout. D'où est-ce que ça vient? Suivons-le. Oh, je crois que je sais où ça se termine. C'était mon jean préféré. Il est fichu. Oh non! Je peux pas m'en acheter un neuf. Mais je peux peut-être le rafistoler. Ça ne coûte rien d'essayer. Je vais prendre mon kit de couture. Il doit y avoir quelque chose que je peux utiliser ici. Voyons voir. Oh, il y a un peu de fil. Mais pas beaucoup. Ça ne suffira pas. Qu'y a-t-il d'autre? Une épingle à nourrice. Ça peut être utile. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Ce trou est bien grand. Et je vais l'agrandir. Je coupe le long de la couture. Je vais descendre le long de la jambe, comme ceci. Maintenant, j'ai besoin des épingles. Je la passe dans le revers du jean. Ensuite, je la sécurise. Je procéderai ainsi tout au long de la couture. Je maintiendrai un espacement régulier entre les épingles. Ça devrait suffire. Waouh, il a l'air super! Je me sens tellement branchée. Je devrais être sur le podium. Les gens paieraient une fortune pour ce jean. Où en étais-je? J'adore les glaces. Elles sont juste... Mouah! J'ai fait venir celle-ci spécialement d'Italie en avion. Regardez-moi ça! Je vais quand même savourer ma glace. Non! Elle a taché ma veste. Ce monde est trop cruel. Ha! Voilà qui est drôle. Ouais, je suppose que t'as raison. Tu m'as eu, la glace. Je ferais mieux de me changer. Je peux plus porter ça. Et hop, à la poubelle. Et ça, je le sens pas. Ça, c'est bien. T'es si modeste. Attendez. Oh zut! Je ferais mieux de changer de haut. Comment il a fait? C'est un sorcier ou quoi? Oh, je sais! Je commencerai par retourner mon haut. Ensuite, je le draperai sur une épaule. Je mettrai les manches derrière mon dos. Ensuite, je les noue ensemble. Je m'assure que c'est bien serré. Maintenant, je vais prendre la partie inférieure. Je la mets autour de ma taille. Je fais un nœud. Et c'est tout! Ça fait un joli haut asymétrique. Faut y aller! J'aurais dû y penser plus tôt. Waouh, Madison, j'aime ton style. Je m'ennuie tellement. Je déteste ce cours. Quoi de neuf, mesdames? Ouais, c'est vraiment moi. Je me trouve pas mal. Et je me sens bien. Regardez mon style. Waouh, il a l'air extraordinaire. Pas impressionné. Faut que tu revoies ta collection de chaussures. Matza, elles sont uniques. Quoi? Non, c'est pas possible. Je suis censée être le plus stylé. Ma réputation est en lambeaux. Attendez, j'ai une idée. Ouais, c'est le moment de briller. Je place ma chaussure ici. Ensuite, je prends un bâton de colle. Je vais frotter la colle sur ma chaussure. Faut pas qu'il se dessèche. Je dois faire vite. Je saupoudre de paillettes. Tout le monde a besoin d'un peu de paillettes dans sa vie. J'opte pour l'argenté. Je l'aime autant que le doré. Reste plus qu'à ajouter des accessoires. J'ai vidé ma boîte à bijoux. Ils feront toute la différence. C'est très excitant. Waouh, c'est beau à voir. Regarde ces vilains garçons. Plutôt cool, non? Ils sont corrects, je suppose. Waouh, je les adore! J'en veux une paire! Mes bottes sont tellement basiques. Je devrais pouvoir faire quelque chose. Ah, j'ai trouvé! Il est temps de relooker mes bottes. J'ai juste besoin d'un marqueur. Je commencerai par tracer des pointillés sur la botte. Ça devrait suffire. Maintenant, je coupe une partie de la botte. J'obtiens une jolie chaussure légère. Mais je n'ai pas terminé. Je vais ajouter ces petits autocollants. Ils créent un joli motif. Je pense que c'est tout. Il est temps de les montrer. Hé, regardez ça! Je les ai fabriqués moi-même. Hein? Quoi? Waouh, trop bien, Madison! Ouais! C'est qui ton styliste? Je suis sûre de les avoir vus à Paris. Oui, c'est tout à fait de là qu'elles viennent. Ah, c'est un bon étirement. C'est un plaisir de se retrouver et de manger du gâteau. Waouh, regarde-la, elle est très à la mode.
J'adore ce sac. C'est tout simplement le plus mignon. Waouh, c'est vraiment le cas. J'adorerais avoir un sac comme celui-là. Quoi qu'il en soit, je parlais à Kevin et il était si séduisant. Ashley, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Ashley, réveille-toi. Que se passe-t-il? Regarde ce sac. C'est comme un cœur d'amour. Je le veux. Oh, c'est vrai. Si tu le veux, tu l'auras. C'est à cela que servent les amis. Je reviens tout de suite. Il faut juste être naturel. Je vais essayer l'approche directe. Excusez-moi. Je prendrai un verre d'eau et une pizza margarita. Oh, je pensais que vous étiez la serveuse. Non. Hey, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Hein, je ne vois rien. À plus! C'est le crime parfait. Oh, ce n'est pas bon signe. Arrêtez-vous tout de suite. Vous partez pour un long moment. Oh, je veux pas que cela se produise. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je dois y réfléchir. Et vite! Un joli sac. Elle devient folle. Attendez une seconde. C'est du bon café. J'ai besoin d'une dose de caféine. Et j'ai besoin de la laine de ton pull. Ce sera parfait. Il fait soudain froid ici. Attendez, je portais un pull, non? J'ai besoin d'autres petites choses encore. Voyons ce que je vais trouver. Oh! Ceci fera l'affaire. Wow! Je pense que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je pose le filet en plastique sur une surface plane. Et je vais chercher une paire de ciseaux. Je vais commencer par faire des coupes dans le plastique. J'enlèverai un long morceau sur le côté, comme ceci. Je coupe ensuite deux des coins. Je vais faire une coupe en diagonale. C'est la forme que je souhaite. Ensuite, j'ai besoin d'un fermoir. Ce papillon fera l'affaire. Je le mets sur le plastique. Ça semble être un bon endroit. Je veux m'assurer qu'il est bien fixé. Ok, maintenant la suite. J'ai une grande aiguille en plastique. J'utilise la laine au lieu du fil. Je dois tisser la laine à travers les trous du plastique. C'est assez facile à faire. Je dois juste l'espacer. Je le ferai jusqu'au bout. Je m'assure de ne pas laisser de vide. C'est assez relaxant. Je veux tout couvrir. Je vais attacher une chaîne au plastique. Et je vais tisser la laine à travers la chaîne. Une fois que j'atteins la fin, il me suffira de tirer sur la laine. J'ai deux petits morceaux de plastique. Je vais les placer sur le côté du cadre. Et je vais les coudre ensemble. Je replie le cadre jusqu'à ce qu'il ressemble à un sac. Ensuite, j'attache la chaîne. Il a l'air très bien. Je referme le rabat. Et tourne le fermoir. J'espère qu'Ashley l'aimera. Il est si doux. Hey, Ashley! Wow! Dan, je l'adore! C'est tout ce que j'ai toujours voulu. C'est un peu mon sac. Je pensais que le mien était unique. Nananana! Je crois que je suis amoureuse. Oh, je suis ravie que les cours soient terminés. Il fait si chaud là-dedans. Oh, porter un sweat à capuche était un mauvais choix. Je dois l'enlever. Ah, c'est mieux. Je me sens déjà plus au frais. Je vais le mettre dans mon sac. Ça ne rentre pas. Trop de livres. Ok, je vais le porter. Oh, allez, vous vous moquez de moi? Ça commence à devenir ennuyeux. Mais c'est bon, respire. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais juste l'attacher autour de ma taille, tu vois? C'était pas si difficile. Et ça a l'air bien. Ok, je prends mon sac et je m'en vais. Je ne veux pas être en retard à mon prochain cours. Oh oh! Ouah! Aïe! Ça fait vraiment mal! Hey! Es-tu un ange? On m'a traité de pire. Qu'est-ce que tu fais par terre? Laisse-moi t'aider à te relever. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon stupide sweat à capuche. Je l'ai noué autour de ma taille et il a glissé. Oui, ça m'est arrivé aussi. Mais j'ai une astuce géniale. Laisse-moi te montrer. Porte-le en travers du corps. Plie ensuite les manches comme ceci. Tire bien dessus. Ensuite, enroule les manches comme ceci. Ça permet de s'assurer qu'il ne glisse pas. Et ça fait bien. Waouh, c'est impressionnant. Et en plus, c'est beau. Je sais. Et il ne tombera pas du tout, hein? Attends, je dois le tester. C'est plutôt bien! Waouh, je n'en reviens pas! Ça a changé ma vie. On ferait mieux d'aller en classe. Ok, oui, vous pouvez entrer.
Oh, on dirait qu'il faut faire la queue avant d'entrer. J'espère qu'il ne faut pas attendre trop longtemps. Oui, la queue avance encore. Wow, très joli. Entrez. Non, pas possible. Quoi? D'accord, je m'en moque. Je ne voulais pas y aller de toute façon. Il faut que les gens apprennent à mieux s'habiller s'ils veulent entrer. Et c'est lui qui dit ça, alors que son classique est ennuyeux à mourir. Attends, je peux peut-être essayer avec cette tenue. J'ai dit non! Je dois bien pouvoir faire quelque chose pour entrer. Les cheveux lâchés, les lunettes rangées. C'est parti! Encore vous? Non! 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 Bon sang, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à se le mettre dans la tête? C'est pas juste! Il est tellement méchant! Et si j'utilisais ces ciseaux, ça fonctionnerait? Attends, ça pourrait vraiment marcher! Désolée, mon sac, mais je dois te découper! Et voilà, j'ai enlevé le fond. Maintenant, l'étape suivante. Je le porte comme un débardeur. J'ai besoin d'autre chose pour que cette tenue en envoie vraiment. Ma créole devrait faire l'affaire. Parfait! Maintenant, c'est sûr que je rentre. Wow! Bon, d'accord, vous pouvez entrer. Oui, je savais que ça marcherait. Je dois juste passer par mon casier. Oh, il est vraiment trop mignon. Salut, on se voit plus tard, mon beau. Oh là là, il est juste là. Salut! Il ne m'a même pas remarqué. C'est trop injuste. Oh, elle pleure là-bas? Effectivement. Je me demande si je peux faire quelque chose. Je sais qu'elle est à fond sur Jared. Tu sais quoi? Je vais aller lui parler. Salut, tu pleures à cause de Jared? Écoute, je crois que je peux t'aider à attirer son attention. Je t'assure, prends mon bracelet et fais exactement ce que je te dis. D'accord, je peux faire ça. Oh, j'espère vraiment que ça va fonctionner. Très bien, d'abord je dois déboutonner et enlever mon gilet. Et ensuite, elle a dit que je devais le mettre à l'envers. Ok, ça c'est bon. Maintenant, le bracelet entre en jeu. Cette étape peut être un peu difficile. Je dois attraper les deux bouts dans mon dos et les faire passer dans le bracelet. Ensuite, je dois tirer jusqu'à ce que ce soit bien serré. Maintenant, il faut que j'attache le dernier bouton à l'avant. Et je vais simplement plier le gilet pour qu'on ne voit pas le bouton. Parfait! Maintenant, j'enlève mes lunettes et je détache mes cheveux. C'est bon, je crois que je suis prête à primer avec mon nouveau look. Wow! Mais qui c'est ça? Elle est sublime! Salut, je t'ai acheté ce nounours parce que je sais que tu aimes les peluches. C'est quoi ce délire? Et d'où sont sortis tous ces garçons? Oui, c'est vrai que c'est logique. Wow, je dois être un peu fatiguée. Attends, c'est quoi ça? Non, pas possible! Je ne raterai cette soirée pour rien au monde! Mais je ne peux pas sortir dans cette tenue! Bon, calme-toi et réfléchis un peu. Je peux me maquiller avec les deux mains à la fois. Ça va forcément me faire gagner du temps. Oh, ces boucles d'oreilles sont tellement dures à mettre. Oh, j'ai cassé ma brosse. Et maintenant, j'enfile ces escarpins rouges du tonnerre. Oui, c'est sûr que j'ai bien choisi. Mais qu'est-ce que je vais mettre comme tenue? Trop chic. Trop décontracté. Oh, et je crois que c'est la tenue parfaite. Oui, c'est vraiment la tenue qu'il me faut. Coucou, tu es prête à y aller? Oh non! Tu portes la même robe que moi? Mince, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On ne peut vraiment pas sortir comme ça. Oh, ouais. Attends, une seconde! Je viens d'avoir une idée géniale! Je sais comment arranger ma robe pour qu'elle ne ressemble plus à la tienne. Je vais juste croiser les bretelles, comme ça. Et maintenant, je vais devoir utiliser mes bons vieux ciseaux. Je découpe des fentes de chaque côté. Parfait! Waouh! Elle n'a presque plus rien à voir avec la mienne! Tu vas vraiment être sublime ce soir! Ferme les yeux!
Ne regarde pas, d'accord? Waouh! Et ça? Oh, non, tu n'as pas fait ça! J'y crois pas! Tu ne vas jamais me croire! Au revoir! Pas de baiser! Même pas un merci! Waouh, cette voiture est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Allons l'essayer! Oui! Plus vite! Un selfie pour Instagram! Oh, les yeux sur la route! Joli! Hé, regarde ça! Bon, on va dire que ça va! Chouette! Super! Oh non! C'est intense là-haut! Attends! Mon pull-over glisse! Non! Je l'ai perdu! Oh! J'ai rien sur moi! Attends, tu dois t'arrêter! Prends une grande respiration! Laisse-moi réfléchir! Bien sûr! Tu n'as qu'à utiliser mon bandana! Oh, ok! Ça peut marcher! Tout est dans l'art de bien plier! Attache le triangle autour de ta taille et assure-toi que le nœud est bien serré. Puis, tu retournes le triangle comme ça et tu le glisses dans ton collier. C'est mignon, n'est-ce pas? Waouh! Trop joli! Maintenant, allons-y! Mais d'abord... Ah, ok, tu peux conduire. Maintenant, on peut y aller. Je me sens déjà beaucoup mieux. Rien de tel que de sentir le vent dans ses cheveux. Non! L'arbre! J'aurais dû garder les clés. Oups, c'était un accident. Désolée. Oh zut! Salut! On a besoin d'aide. On a eu un accident. Quoi? Mais vous allez bien? Ouf! Oh, au moins mon maquillage est resté en place. Waouh, elle sort, regarde! Merci, merci! Incroyable, comme elle chante bien! Elle vient de me faire un clin d'œil, là! Levez les mains, tout le monde! On s'amuse tellement! On s'en souviendra pour toujours! Excusez-moi, je peux aller là derrière, s'il vous plaît? Hé! Hey, mon jean! Regarde ce que t'as fait! Oh zut! Et c'est ma paire préférée! À moins que... Ma chaîne! Je m'en occupe! On égalise bien les deux jambes et on utilise des ciseaux pour aller couper ici, sur toute la couture extérieure. Voilà, on s'arrête là! Maintenant, on prend cette attache et on la glisse ici. Une fois qu'elle est en place, tape dessus avec un marteau. Enlève le couvercle et nous voilà avec tous ces trous. Il faut passer la chaîne à travers. Et c'est fait! Tadam! Est-ce qu'elle aime les fleurs? Bizarre son pantalon. Je suis d'humeur généreuse aujourd'hui. Et voilà! Oh mon Dieu, merci! Waouh! Super ton short! Il attire l'œil, n'est-ce pas? Finalement, ce fut un heureux accident! Wouhou! Incroyable! On est venu le bonjour, on dirait! Ces chaussures sont en solde! Quelle merveilleuse journée! Hé! Hey, ta glace! Oh non! Qu'est-ce que tu fais? Ne pleure pas, ma chérie! Oh mon Dieu! Oh! Tu aimerais avoir ces chaussures? Non! Oh, je sais pas quoi faire, alors! Attends, je crois que j'ai une idée! J'ai juste besoin d'un peu d'aide! D'abord, mets une bonne dose de crème chantilly! Mais au lieu de la manger, ajoute de la peinture! Oh, ça a l'air génial! Waouh! Cool! J'ai gardé la meilleure couleur pour la fin. Et hop, on la verse! Tu ne pensais quand même pas que j'avais fini, n'est-ce pas? Recouvre bien les côtés aussi. Attends de le voir terminer. Après que les couleurs aient marqué un temps de pause, trouve une serviette et essuie bien les chaussures. Voilà! C'est magnifique!
On dirait presque de la teinture tie-dye. Qu'est-ce qu'une maman ne ferait pas pour son enfant? Tous les enfants adorent! Merci, maman! Elles sont trop belles! Ma maman est unique en son genre, tout comme mes chaussures! Quelle journée! C'est idéal pour parfaire mon bronzage! Il ne faut pas que j'oublie ma crème. Cet endroit a l'air parfait pour prendre un peu le soleil. Waouh! Ellie est vraiment superbe! Ouais, on me le dit souvent. Comme cette petite brise est appréciable. J'adore ton style! Assieds-toi, tu peux prendre ma crème. Oh, merci. Personne n'a envie de virer écrevisse. Ah, la vie est belle. Oh, salut! Salut, beauté. Ma journée vient juste de s'éclaircir. Je ne te le fais pas dire. Je ne peux pas m'empêcher de le regarder. Waouh! T'as vu ça? Oh! Tu sais combien de temps ça m'a pris pour être aussi belle? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est quoi tout ce boucan? Ellie, tu veux peut-être un miroir? Oh, qu'est-ce que c'est? C'est la dernière technologie en matière de protection du maquillage. Regarde ça! Attention! T'as vu ça? Ça marche au top! Waouh, je suis impressionnée! Je suis trempée, mais mon maquillage, lui, est intact. Et ton mascara? Regarde par toi-même. Toujours impeccable. Waouh! Je pourrais m'en fabriquer. Il faut juste que je récupère l'ouverture de ces lingettes. Waouh! Regarde cet endroit. J'ai tellement hâte d'essayer tous les manèges. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? L'entrée est par là. Viens, allons-y. Oh là, pas si vite, mon pote. Aucune nourriture ou boisson n'est autorisée dans le parc. Oh, c'est trop injuste. Waouh, il n'a pas l'air de plaisanter. Regarde les panneaux, nourriture interdite. Salut toi. Salut, tu peux entrer mais sans la nourriture. Mais, oh, s'il te plaît, allez. Désolé, les règles sont les règles. On a eu un incident avec une barre de chocolat dans la piscine. On a cru que c'était du caca. On a dû tout fermer. Alors pas de ça ici. Oh, j'arrive pas à croire qu'on soit sortis ensemble. On n'a aucune chance de faire rentrer de la nourriture là-dedans. Je ne vais pas les jeter. J'aime beaucoup trop ces chips. Il faut qu'on trouve une solution. Mais laquelle? Qu'est-ce que tu fais? Il est plutôt mignon. Oh, salut beauté. Oh là là, il flirte avec moi, c'est évident. Ellie, concentre-toi, c'est du sérieux. Prends ça. Quoi? Tu me laisses tomber pour ça? Chut! J'ai une idée. D'abord, j'ai besoin d'un haut de maillot. Je vais faire des trous dans les bonnets. Ensuite, j'ai besoin de ce lacet. J'ai mis des œillets dans les trous. Puis, j'enfile le lacet par les œillets. Mickey, dépêche, il fait froid. Essaye ça, ne bouge pas. Oh, c'est joli. Passons à la deuxième étape du plan. Waouh, un haut de maillot de bain push-up. Qu'est-ce que je vois? Attends, tu vas avoir besoin de ça aussi. Bonne idée. On va te faire un contouring. Heureusement qu'on est des super amis, Mickey. Sinon, ça serait bizarre. Bon, on va estomper tout ça. Ça chatouille. Mais ça rend bien. Ça donnera l'impression de bonnet plus plat. Ça a l'air bien. On y va. À toi de jouer. Tu vas y arriver. Hé, je suis content de te voir. Salut toi, j'aime bien ton gilet de sauvetage. Merci, c'est ma mère qui me l'a acheté. Tu peux y aller. Oh, ça c'est ma pote. À moi de jouer. Ça te dit une chips? Waouh, t'es trop gentil. Tu veux aller faire un tour plus tard? Allez, 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 oui! Désolée, je dois me laver les cheveux, ciao. Waouh, c'est moi où il fait chaud d'un coup. Ouf, j'adore mon taf. Je m'ennuie. L'école, c'est l'enfer. Yo! Waouh! C'est Matthew! Peut-être que l'école, c'est pas si mal finalement. Je vais remettre un peu de rouge à lèvres. Hé, hey, Mickey! Salut, Matthew! Waouh! Comment ça va? Tu es très jolie! Hein? Attends, pourquoi est-ce qu'il parle à Ellie? T'as dit quoi? Rien du tout! Désolée, tu disais? C'est quoi son problème? Matthew ne me porte jamais autant d'attention. Il doit y avoir un moyen de changer ça. Oh, je crois que je l'ai. Il me faut juste du scotch et mon tube de contouring. Il est temps de se mettre au travail.
On devrait sortir un de ces quatre. D'abord, je vais retirer mes lunettes. Ensuite, je prends un long morceau de scotch. Je le mets dans ma bouche. Et je sors mon tube de contouring. Je le frotte sur le scotch. Il faut que ça le recouvre bien, comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, je plaque le scotch le long de mes joues. Et j'appuie doucement pour que ça colle. Ça devrait le faire. Ensuite, je vais le retirer tout doucement, ce qui me laissera un super contouring. Pour la prochaine étape, je vais avoir besoin d'une éponge à maquillage. Je vais légèrement estomper le maquillage. Maintenant, je vais arranger mes cheveux. Je crois que je suis prête. Il est temps. Salut, Mathieu. On peut savoir ce que tu fais? Hein? C'est quoi? Oh, je prends ceci. En fait, je voulais tester un nouveau look. C'est top. J'aime bien, vraiment. Oh là! Une seconde! Ah! Un monstre! Quoi? Mathieu, reviens! Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas. Ah! Un peu d'étirement. Ouch! C'est trop! Pourquoi est-ce que c'est si douloureux? Je ne suis peut-être pas faite pour ça. Je ferais bien de m'échauffer. Tu peux baisser d'un ton. Oh, salut Ellie! Oh, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Oh, est-ce que j'ai un cheveu qui dépasse? Merci de m'avoir prévenu. C'est mieux là? Il faut que tu les tires en arrière. Ton chignon est censé être serré. Comme ça, j'ai compris. C'est pas si compliqué. Ouille, ça tire! De quoi j'ai l'air? Oh, pourquoi je m'en suis mêlée? Il ne faut pas que la prof voie ça. Ça serait affreux. Elle déteste les chignons pas bien faits. Oh, regarde ce bazar. Non, garde ces ciseaux loin de moi. Je vais tout enlever. Non! Alors là, pas question. Il faut que tu m'aides. D'accord, regarde. Pas besoin de brosse. Utilise tes mains et ta salive. Tu plaisantes? Bon, essaye encore. Mais tu les passes dans tes cheveux. Ça a l'air plutôt facile. Ça fonctionne? Oh! Bon, on va essayer quelque chose d'autre. Utilise cette laque. Enfin, un moyen moins dégueu. Arrête, ça suffit! Stop! Pose cette laque, c'est bon là! Hein? J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Je ne baisserai pas les bras. Prends ça! C'est trop mignon! Je me trouve adorable! T'as l'air ridicule! Pas la peine d'être méchante! Attends, quelqu'un m'appelle. Oh, c'est David. Salut chérie, ça fait plaisir de t'entendre. Hein? D'où viennent tous ces cœurs? J'en ai un. C'est très étrange. Une petite seconde, je vais l'ouvrir pour voir. C'est texturé. Je vais pouvoir m'en servir. C'est le meilleur. Je sais comment arranger tes cheveux, Mickey. Oh, j'aime bien ton idée, vas-y. Je vais tirer tes cheveux en arrière à l'aide du cœur et m'en servir pour les tenir en place. Ça fera comme des barrettes. Je crois que c'est bon. Waouh, c'est super. Merci, Ellie. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Va danser. Moi, je vais finir mon échauffement. Oh, je suis raide. Oh! Qu'est-ce qui leur prend si longtemps? Elles ne prennent pas ça au sérieux. Bonjour, je suis là et je suis prête à danser. J'aime bien ta coiffure. Oh, ça? Je viens juste de les acheter. C'est parti. Je vais y arriver. J'espère que ça va vous plaire. Continue. Pendant ce temps, je vais copier cette coiffure. C'est super chouette. J'ai hâte d'être à la soirée. C'est pas mal. Hé, Mickey, qu'est-ce que t'en dis? Regarde ce que tu as fait! T'as abîmé mon maquillage! C'est bon, c'est pas si grave. Ça va aller. Ce sandwich est délicieux. C'est déjà mieux. C'est le moment de faire l'autre côté. Je vais ajouter du poivre. Ça sera beaucoup mieux. Quoi? C'est affreux! Encore un petit peu. Achoum! Tu pourrais éviter de faire ça? Bon, respire, ça va aller. Ça peut encore s'arranger. C'est vraiment bon. Je vais repasser tout doucement. Je pourrais manger ça toute la journée. J'ai l'air épouvantable. Je vais l'enlever. Qu'est-ce que... Oh, c'était génial. Ah! Est-ce que c'est moche? Sois franche. C'est effrayant. C'est quoi ça? Burk, c'est dégueu.
Tu as besoin d'un fil dentaire. Prends ça. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. Oh, tu l'as eu? C'est carrément dégoûtant. Attends, ça me donne une idée. Oh, qu'est-ce que tu fais? Ça va sûrement résoudre tous mes problèmes de maquillage. Je vais retirer l'eyeliner, puis maintenir la poignée contre mon visage et suivre le contour. Pour un look parfait. Waouh, mais c'est génial! Je vais faire l'autre œil. C'est tellement plus facile comme ça. Waouh, j'aurais dû y penser avant. De quoi j'ai l'air? Superbe! Allez, viens, on y va! C'est la fête! Mettez les mains en l'air! Regarde comme je bouge bien! Waouh, Mickey, t'es belle! J'adore tes yeux! Incroyable! Faut vraiment que tu m'apprennes à faire ça! Je veux dire, ça va faire super ici! Tout le monde aime la pastèque! Et ça va donner à ma fête une ambiance exotique! On ferme les rideaux! Voilà, je crois que c'est prêt! Pas mal du tout! Sauf que... j'allais presque oublier... ma pastèque! Comme elle est belle! Je vais la porter dans le salon! Oh! Non! Le monde est si cruel! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ah, je sais! Le magasin est fermé. Mais il me faut une pastèque. Je vais me débrouiller. Je ne suis pas au bon endroit. Peut-être que j'en trouverai une ici. Je crois que c'était une mauvaise idée. Oh, oh. Enfin, de délicieuses pastèques. Mais dans quel état est mon t-shirt? Ce n'est pas le plus important. Ah, zut, je n'ai pas apporté de sac pour la transporter. Mais peut-être que je n'en ai pas besoin. Si j'agrandis les trous dans mon t-shirt, je pourrais m'en servir. Il est fichu de toute façon. C'est bon, ça devrait suffire. Je n'ai qu'à l'enlever et le retourner. Et puis, je fais un nœud ici. Ça va être super pratique. C'est la taille parfaite pour cette pastèque. Et je peux la rapporter chez moi. C'est vraiment parfait. Allons-y. Me voilà enfin rentrée. Je vais mettre ma pastèque juste ici. Ce t-shirt m'a vraiment sauvé la vie. Hé, hey, c'est de la pastèque. J'en veux une tranche. Elle est super bonne. J'adore. C'est l'heure de sortir la poubelle. Oh, quelle fatigue. J'ai besoin d'un jour de repos. Bah, ça sent mauvais. Oh non, voilà Chris. Il faut pas qu'il me voie comme ça. Je suis sapée comme une poubelle. Il me faut une solution, et vite! Mais pourquoi est-ce qu'il s'est assis là? Je vais me cacher jusqu'à ce qu'il s'en aille. Allez, Chris, va-t'en! Oh non, il approche! Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas le choix. Je plonge! Quoi? Mais c'est incroyable! J'arrive tout de suite. Aïe! Maintenant, je ressemble vraiment à une poubelle. Mais bon, moi, j'ai toujours ma dignité. Non, c'est une mauvaise idée! Allez, réfléchis! Il doit bien y avoir une solution! Je peux peut-être utiliser des déchets! Au grand mot, les grands remèdes! Ça aurait pu être pire! Quoi? Mais c'est incroyable! Oh! Ça va, l'ami? Ouais! Va-t'en! Une seconde! Je te connais! Luna! Salut, Chris! Qu'est-ce que tu fais? Tu ressembles à un clochard! Pas besoin d'être méchant. C'est vraiment une tocarde. Quelle méchanceté. Non, ça doit pas être si difficile. Ça commence à faire long. Ah, l'aubaine. Mais qu'est-ce que... Il me faut cette robe. On échange? C'est complètement folle. Je savais que ça ne marcherait pas. Ça y est, je crois que j'ai trouvé. Je vais tirer mes manches comme ça et passer mes bras par le col de mon pull. Ensuite, je fais un joli nœud sur le devant et un joli nœud derrière mon cou. C'est super mignon. Ah, mes cheveux. Voilà qui est bien mieux. Mais quoi? Mais c'est incroyable. J'arrive tout de suite. Chris? Hé, reviens. Tiens, salut.
Comment ça va? Salut Luna! Quelle classe, dis donc! Oh, tu es trop gentille! Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est drôle! Oh, j'ai reçu un message super mignon! Pas possible! Regarde, Chris veut sortir avec moi! Quoi? Jalouse? Mais attends! Regarde ça! Chris veut sortir avec moi aussi! Oh, comment est-ce qu'il ose me faire ça? Ah, les hommes! Il doit y avoir une erreur! T'as raison! Pourquoi est-ce qu'il voudrait sortir avec toi? Une seule de nous deux peut sortir avec lui, d'accord? Ok, et ça va être moi! Ouais, c'est ça! On va bien voir! Je vais lui en mettre plein les yeux! Ah ouais, tu veux la jouer comme ça! J'allais justement mettre ce rouge à lèvres! Oh, dommage pour toi! Ne t'en fais pas pour moi! J'adore ces boucles d'oreilles! Je comptais pas les mettre de toute façon! Celles-ci sont beaucoup plus classe. Si ça te fait plaisir de le penser... Si ça te fait plaisir de le penser, j'ai plus qu'à prendre mon sac. Moi aussi. Celui-là. Tu plaisantes? Il n'était pas assez beau pour moi de toute façon. Ce jean me va super bien. Il est à moi. Non, à moi. Mais lâche! Je l'ai vu avant toi. Arrête. Toi d'abord. Regarde ce que tu as fait! Tu peux le garder. Bonne chance. Mais... Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je peux pas mettre ça. À moins que... Je vais le déchirer un peu plus. Et puis je passe mes bras dans les jambes. Et ma tête dans l'ouverture. Voilà, comme ça. Maintenant, je l'ajuste un peu. Waouh, c'est vraiment la classe! Et je suis prête! Pas si vite! Pas mal, hein? J'avoue, tu t'es dépassée! Salut! Laisse-moi passer! Chris? C'est qui avec lui? Wow. Hey, salut les filles! Oh, des jumeaux! Oublions tout ça! Après toi! J'attends juste Mindy. Ah, la voilà. Je te laisse. Salut, ça va? On y va? Hein? Je peux pas me lever. C'est bizarre. Tu vas pas être contente. La peinture est fraîche. Non, j'avais pas vu les critons. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je peux pas bouger. Je suis collée au banc. Ça arrive assez souvent. Qu'est-ce que je peux faire? Au fait, j'ai utilisé de la peinture ou de la colle? Oups! Faisons comme si de rien n'était! Ça sert à rien! Je suis coincée! Attends, j'ai peut-être une idée? Je pensais que ça marcherait! Tire plus fort! Allez, tire-toi de mon banc! Ouf! Ça a été dur! Je suis épuisée. M'en parle pas. Ça va derrière? Dis-moi la vérité. Il est fichu, n'est-ce pas? Complètement. Mais attends. Je crois que je peux t'arranger ça. Il me faut juste deux ou trois choses. Merci beaucoup. J'adorais ce jean. Allez, au travail. Fais-moi confiance. Je vais juste ajouter un peu de peinture sur ton jean. Je vais même utiliser des pochoirs. Tu vas avoir une classe d'enfer. Encore quelques petites lignes ici. Et ça, ça va faire super joli. Je devrais me lancer dans la mode. Voilà, pour ce côté. Et maintenant, le devant. Grâce à ce bout de carton, tu n'auras pas du tout de peinture sur la peau. Je devrais carrément me faire payer pour ça. Ok, encore quelques détails. Et voilà, terminé. Qu'est-ce que tu en dis? Waouh, mais c'est super beau! Et mon jean est unique au monde maintenant. Tu es génial. Tu aurais fait la même chose pour moi. Allez, on y va. Ah, où est ma peinture? J'ai dû la poser quelque part.
Ouf, je croyais que je l'avais perdu. Oh oh oh, je viens de faire une grosse erreur. Porter toujours les mêmes vêtements peut être lassant. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut automatiquement les jeter à la poubelle. Avec un peu d'imagination et de créativité, tu peux te constituer une toute nouvelle garde-robe. Quel look as-tu préféré? Dis-nous tout dans les commentaires ci-dessous. Partage cette vidéo avec tes amis et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres super vidéos comme celle-ci.